pas beaucoup joué parce qu'il souffrait un petit peu juste après le premier match où il avait été étincelant face à l'Angleterre. Eh bien, cette équipe portugaise a de quoi s'appuyer sur de très très bons joueurs. Dans quelques secondes, les hymnes, à commencer par Héroïs Tomar, l'hymne portugais à la gloire des ancêtres marins guerriers lusitaniens. De cette génération, comme le dit Rui Costa, elle vient de gagner enfin quelque chose. Elle promettait, elle a gagné le mondial 89, le mondial 91, mais des juniors, et elle n'a jamais plus rien gagné en senior. On revoit cette composition de l'équipe de France. Il y a des choses à fêter aujourd'hui. Il y a les 29 ans de Fabien Barthez et il y a la 100e sélection de Didier Deschamps, le capitaine. Alors Roger Le Maire aujourd'hui, tout à l'heure dans sa conférence d'avant-match, a parlé vraiment de confiance, de motivation à ses joueurs pour arriver à ce que cette équipe eh bien, prenne le match dès le début. C'est vrai que c'était un petit peu son problème depuis le début de cet Euro, c'est d'avoir 10 minutes, un quart d'heure de flottement. Là, il ne s'agit pas de flotter dès le début de ce match, il ne s'agit pas de donner confiance à l'adversaire, il s'agit d'être conquérant, il s'agit de jouer très haut, de jouer le plus haut possible dans le camp de l'adversaire. Le sélectionneur national Roger Le Maire, toujours dans sa position fétiche. Et un match arbitré par monsieur Günther Benko, qui a été l'arbitre, le premier arbitre de l'équipe de France dans ce tournoi de l'Euro 2000, qui a arbitré France-Danemark. Il sera assisté aujourd'hui d'Igor Sramka, le Slovaque, et du Belge Roland Van Nielen. Le quatrième arbitre officiel est un Écossais, monsieur Hugh Dallas. Oui, et France-Danemark, ça avait fait 3-0, donc c'est de bon augure. En tout cas, ce public portugais, il est présent. On va dire que le stade est à deux tiers français. On voit du bleu quand même beaucoup plus que dans ce virage, du rouge et du vert. Et la bise, évidemment, est là pendant que Figo parle à ses milieux défensifs, en particulier Vidigal, qui avait été très très bon contre l'Angleterre et qui retrouve une place de titulaire dans un milieu que
Puelo a sûrement voulu muscler l'absence de Marcelo Pinto quand même, mais il ne pouvait pas alors que les deux gardiens se saluent, il ne pouvait pas non plus jouer avec 6 attaquants, c'était peut-être un peu beaucoup. Ce sont les Portugais, Rui Costa pour cette faute. Jorge Costa avec Fernando Couto. Dimas, l'arrière latéral gauche de cette formation portugaise. Vidigal, le pressing de Zinedine Zidane. Ouais, c'est Zidane qui va emmener le pressing le plus haut possible pour donner l'exemple et pour montrer aux Portugais qu'ils vont avoir vraiment un premier rideau très présent. Thuram avec Patrick Vieira au milieu de Rui Costa et Luis Figo. C'est Thuram qui récupère. Laurent Blanc avec Emmanuel Petit et les cœurs français, les supporters français qui se font entendre dans ce stade Roi Baudouin. Lisa, on revient derrière, c'est un petit peu mou avec Barthez qui dégage un petit peu à la hâte. Parce que si on parlait de pressing des Français, il faut faire confiance aux Portugais pour faire la même chose. Rui Costa avec Vidigal, écarte là-bas vers Dimas. Égard à ces Portugais quand ils sont dans cette position, la bonne sortie de Thuram. Deschamps avec Zinedine Zidane. Oui, qui écarte vers Lizarazu et ça part du côté de Thierry Henry. Mais l'intervention d'Abel Javier. Nuno Gomes, Rui Costa. S'appuie sur Conceição. Rui Costa encore. Allez, Zidane. Et la touche. Non, elle sera française. Ce sera un coup franc. Coup franc sur Thierry Henry. De toute façon, elle était française puisque c'était Vidigal qui avait touché le dernier ce ballon. Petit avec Deschamps. S'appuie sur Nicolas Anelka. Zizou, Petit encore. Emmanuel Petit qui cherche la tête de Vieira qui a laissé passer ce ballon. Un ballon trop fuyant pour Thuram qui arrivait là-bas côté droit. Venez voir, Vieira à quasiment la même hauteur qu'Anelka. C'est révélateur aussi des volontés françaises de se situer le plus haut possible. Vidigal pour sortir ce ballon. Il a voulu s'appuyer sur Nuno Gomes et un ballon récupéré facilement par Marcel Desailly qui va remonter. Laurent Blanc, Lizarazu. Oui, bien joué. Avec Emmanuel Petit qui a commis la faute sur Rui Costa. Monsieur Benko était bien placé, il a sifflé. Oui, il va demander à Emmanuel Petit de se reculer aussi. Figo, Rui Costa. Ah, bien joué devant Petit. Transmet ce ballon à Figo, un ballon vite perdu, récupéré. Ça va repartir. Petit, Deschamps. Lizarazu, c'est en touche, très peu d'espace pour l'instant. Hein. Très peu d'espace et puis il y a un rayon de soleil en plein dans l'axe de Vicente Lizarazu qui l'empêche quasiment de voir ses partenaires. Dans 10 minutes, un quart d'heure, il sera parti, il sera couché. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez gênant. On va d'ailleurs tous les joueurs se protéger du soleil. Nuno Gomes, arbitre assistant, qui a signalé une faute. Oui, Nuno Gomes qui s'est peut-être appuyé. Mais Gomes qui a quand même mis 3 buts depuis le début de cet Euro. Voici à la lutte avec Marcel Desailly. Et c'est Fabien Barthez et son pied gauche qui effectue ce coup franc histoire de replacer tout le monde vers l'avant sur la tête d'Anelka puis celle de Jorge Costa. Et d'Acosta qui envoie très loin ce ballon vers Laurent Blanc. Thuram. Allez, Thuram qui va sonner la charge. Trouve Anelka. Redonne à Thuram le soutien avec Thierry Henry. C'est passé par. Il est retenu par le maillot, ce sera un coup franc sûrement. Et c'est un coup franc sifflé par Monsieur Benko et un premier coup franc intéressant à jouer pour les Français. Et on avait dit avant cet Euro que l'une des consignes fondamentales données aux arbitres, c'était sur les tirages de maillot, de donner des cartons jaunes. On a vu ce qu'il en était contre l'Espagne et là, c'était quand même assez flagrant aussi. Allez, le pied gauche d'Emmanuel Petit qui dépose le ballon absolument où il le souhaite.
pour ce coup franc de très bons joueurs dans le jeu aérien côté français. Ça peut être une vraie occasion pour l'équipe de France. Mais la faute, sifflée, la faute de Patrick Vieira sur Vidigal. Retirage de maillot. On parlait du record d'invincibilité de Vitor Baia. Et bien, il détient toujours celui du Portugal avec plus de 1000 minutes. C'est en 91-92 d'invincibilité alors qu'il gardait les buts de Porto. Thuram, obligé de repasser derrière et par Fabien Barthez qui lui va dégager très loin, direction Zinedine Zidane. La touche sera française. Eh bien, on se craint pour l'instant. Je peux vous dire qu'on est très attentif au placement, au replacement. Et c'est pour cette raison que c'est assez bouché, mais ça va vite se débloquer. Fernando Couto a voulu jouer devant lui avec Sergio Conceição. C'est un ballon qui file en touche. Et une touche française. Des Français qui progressent d'une vingtaine de mètres à la faveur de cette touche. Lizarazu qui trouve Thierry Henry. Un petit peu seul, oui, ça manque de présence. Et un ballon pour Vitor Baia, de quoi se rassurer sur sa première sortie. Dimas avec Vidigal. Da Costa, le Monégasque. Oula. Fernando Couto, un contrôle un petit peu approximatif. Et Vitor Baia dans la difficulté. Oui, mais c'est exactement ce à quoi sert le pressing. Zinedine Zidane maintenant. Allez, Zidane avec Deschamps. Ça prolonge sur Petit. Mais ça bute sur Vidigal. Rui Costa. Avec Nuno Gomez, le bon retour de Lilian Thuram, mais la faute sifflée par Monsieur Benko. Belle percée de Rui Costa sur le côté gauche, ils étaient 4, il est quand même passé. Nuno Gomez butant sur Thuram. Allez, Figo, qui a très très peu d'espace lui aussi. Il a voulu s'appuyer sur Nuno Gomez, et cette fois c'est l'attaquant portugais qui a commis la faute. Nuno Gomez qui était remplaçant avant l'Euro, il était prévu pour ça et il a gagné tout seul sa place. Attention à ce ballon. Oui, Zinedine Zidane qui a perdu ce ballon, ça aurait pu profiter à Nuno Gomez, ça n'a pas été le cas. Oh, il y a un petit peu de fébrilité de part et d'autre. Témoin d'une vraie tension pour l'instant sur la pelouse du Stade Roi-Baudouin. Deschamps avec Vieira qui va peut-être pouvoir gagner un peu de terrain. Anelka. Écarte là-bas vers Thuram. Et qui parvient à centrer Lilian Thuram. Intervention d'Abel Javière. Et Zidane complètement à gauche. Lizarazu avec Zidane justement. Redonne Lizarazu. C'est super bien fait. Une nouvelle intervention, celle d'Abel Javière, le blond portugais. Tout a l'air simple quand le ballon est dans les pieds de Zidane. Le revoilà Zizou. Qui change complètement le jeu vers Thuram. Allez, les Français s'installent devant la surface de Vitor Baia. Et toujours Abel Javière, 100 m 91 pour dégager ce ballon de la tête. Ouais, impeccable. 1m91 aussi, Vieira. Ah, il y a de vrais athlètes. Il y a des techniciens sur la pelouse. Pierre, il y a vraiment de chaque côté du reste de vrais athlètes. Hein. Et il y a des athlètes techniciens, c'est ça qui est fort. Dimas. Mais la faute là-bas Dimas sur Thuram. On n'est pas encore passé quasiment côté droit, qui est le circuit préférentiel du Portugal avec Conceição. Et pour l'instant, on choisit l'option Figo, mais Figo n'a pas touché énormément de ballons, on a du mal à le trouver. Et Thuram y est sans doute pour quelque chose. Laurent Blanc qui a botté ce coup franc sur la tête de Thierry Henry. Une déviation qui ne trouve personne. Oh, c'est trop long cette relance. Trop long. Jouez vite cette touche. Lizarazu avec Deschamps. Allez, le ballon qui tarde à revenir. C'est fait maintenant. Lizarazu qui va pouvoir effectuer cette rentrée de jeu. Veranelka. Petit qui a voulu donner à Zidane, intervention d'Acosta, Deschamps, Anelka,
Oui, Monsieur Benko, toujours très vigilant, qui a vu la faute de Vidigal, qui a essayé de retenir Nicolas Anelka. Nouvel avertissement, cette fois verbal, tout proche du carton, Vidigal. Un coup franc sur lequel on va chercher une combinaison. C'est un peu plus de 30 mètres au début de Victor Baya. Zidane qui cherchait Laurent Blanc. Voilà, combinaison offensive avec Blanc qui s'engage. Mais Victor Baya avait lu parfaitement la trajectoire de balle. Dimas pour la touche. Vers Rui Costa. Dimas encore, un bon retour de Thierry Henry, ce sera quand même une touche pour les Portugais. Et les Français qui pour l'instant empêchent vraiment de jouer les Portugais et Figo. Dimas qui joue cette touche derrière vers Jorge Costa, change le jeu. Abel Javier. Sergio Conceição, un petit peu d'approximation dans la transmission. Oui, parce que Anelka venait dans sa zone, parce que devant lui, il y avait Petit, il y avait Lissarassou. Et ça engendre une passe maladroite qui sort. Thuram. Il cherchait long vers Henry, qui s'est imposé physiquement face à Da Costa. Anelka, qui a voulu servir Zidane, c'était dans le dos du meneur de jeu français. C'est Sergio Conceição qui est venu chercher ce ballon. Pour remonter face à Petit. Il cherchait dans l'axe Figo. Intervention de Didier Deschamps, ça va repartir. Manu Petit. Le long vers Anelka. Couteau. Deschamps qui est encore très très présent. Ça fait plusieurs fois que c'est lui qui enraye les attaques portugaises. Il honore bien sa centième cape. Touche cette fois joué par Zidane avec Lissarassou. Petit. Zidane remet dans l'axe à son capitaine Didier Deschamps, qui a un petit peu d'espace et qui frappe. C'est la première frappe cadrée de ce match et en faveur des Bleus qui sont tout blancs aujourd'hui. Et c'est encore Didier Deschamps qui, après son talent défensif, nous montre ses vertus offensives également. Je crois que c'est bien joué. Tactiquement, il n'y a vraiment rien à dire sur le travail des Bleus qui sont blancs aujourd'hui. D'Abel Javier sur Thierry Henry. Monsieur Benko ne l'a pas loupé cette faute là. Nouveau coup franc des Français. Pierre qui s'installe de plus en plus copieusement devant la surface adverse. Ouais, ils sont là et ça ne peut que provoquer une faute adverse. Il y a bien un moment où ça va arriver, mais méfions-nous quand même, parce que les Portugais vont à un moment donné arriver à trouver un début de solution quand même. Alors qu'on voit le tir tout à l'heure de Didier Deschamps cadré. Il aurait pu marquer le cinquième but en équipe de France de sa carrière, mais ce n'est pas le cas. Oh, Abel Javier qui a glissé au moment de donner ce ballon. C'est Deschamps encore qui récupère. Ça avance avec Petit. Et Abel Javier qui s'est rattrapé sur ce tacle. Lissarassou. Deschamps. Change ouais. Le jeu là-bas vers Thuram. Laurent Blanc. De Sailly. Les défenseurs français qui n'ont pas été trop à l'ouvrage pour le moment. Ouais, c'est bon à jouer. Zidane vers Thierry Henry. Et la bonne lecture du jeu de Victor Baya qui est sorti devant l'attaquant français. Ballon vrillé donné par Zidane. Comme un coup droit lifté tennisman. Mais c'était du pied. Julio Gomez avec Rui Costa. Rui Costa qui voulait lancer Sergio Conceição. Ce sera sans souci pour Fabien Barthez qui relance. À la main avec Patrick Vieira. Fallait l'aider, voilà. Deschamps qui va lancer Nicolas Anelka à la lutte avec Jorge Costa. La touche sera française, c'est Jorge Costa, l'un des deux défenseurs centraux de l'équipe du Portugal qui a touché ce ballon dernier. C'est Anelka qui a joué cette touche avec Vieira. Deschamps. Figo qui va pouvoir accélérer. Garin Figo qui trouve Nuno Gomez. Et l'intervention de Sailly. Celle de Lissarassou maintenant est en train d'accélérer ce rythme de ce match. Thierry Henry face à Abel Javier.
Et ce sera un coup franc sifflé par Monsieur Benko pour ce tacle illicite d'Abel Javière sur Thierry Henry. Oui, Henry qui était passé, qui va amorcer un centre. Et là, le tacle dans le vide en ce qui concerne le ballon, mais sur les chevilles de Thierry Henry. Il n'y a pas de méchanceté du tout dans ce tacle, mais l'aveu d'une impuissance parce qu'Henri allait plus vite, tout simplement. Et un excellent coup franc à jouer qui fait lever le public français. Zinedine Zidane à la manœuvre. Beaucoup de monde devant les buts de Vitor Baia. Et ce sera une touche française. Pour jouer cette touche, la joue longue finalement. Cherchait la tête de Vieira, est tombé sur celle de Vidigal. Toujours ballon aérien et Thuram. Oui, c'était cadré. Il avait bien vu Thuram que Vitor Baia était avancé au premier poteau. Il aurait souhaité que sa tête soit un petit peu plus longue, mais elle n'était seulement cadrée. C'était déjà pas mal. Bruno Gomez qui a commis la faute sur Bichente et Lizarazu. Ah, il la fallait cette intervention de Vitor Baia. Laurent Blanc avec Vieira. Zidane écarte vers Lilian Thuram. Thierry Henry en appui. Et c'est un ballon qui file jusqu'à Zidane. Et toute sa virtuosité, ballon dans les pieds. Thuram a voulu centrer ce ballon dans la surface, renvoyé par Da Costa. Et pour l'instant, les Portugais ne font que défendre. C'est peut-être la vie aussi d'Arsène Wenger qui est avec nous, Arsène. Oui, pour l'instant, la France récupère bien le ballon et donne l'impression d'être dangereuse par Henry et par Anelka. Elle semble plus sereine quand même que le Portugal. Oui, par Vieira aussi, le danger. Vieira qui peut centrer, petit au deuxième poteau. C'est pas terminé. Oh, il est passé au milieu des deux, petit du soutien avec Lizarazu. Deschamps. Ah, j'ai cru qu'il allait refrapper une deuxième fois parce que c'est vrai que c'est pas son habitude à Didier Deschamps. Cette équipe de France qui est bien en place, hein, on va dire ça comme ça, Pierre. Ça, c'est sûr. Et qui prend les choses de plus en plus sérieusement. Il reste maintenant à trouver effectivement la solution avec Anelka et Henry devant, ou un autre. L'angle qui correspond et qui marque ici le premier but. C'est vrai que c'est vraiment contre le cours du jeu, mais c'est bien joué. Il faut se méfier de ce talent portugais dont on parlait en début de rencontre, cette technique portugaise, c'est aussi la technique d'attaque, la spontanéité, la soudaineté, et donc qui permet au Portugal de mener 1-0. Allez, bah, ça va nous débrider complètement cette rencontre, et les Français n'ont plus de questions à se poser maintenant. Mener au score, il faut aller chercher le Portugal, il faut égaliser dans un premier temps. Le Portugal est revigoré après cette ouverture du score. Rui Costa. Et c'est la première fois que l'équipe de France est menée en début de match depuis cet Euro. Alors on va voir comment les Français vont réagir. Le quatrième but de Nuno Gomes dans cet Euro 2000. Il a marqué deux fois contre la Turquie, une fois contre l'Angleterre. Et ce but d'importance pour l'instant face aux champions du monde. Ça s'appelle du réalisme. Un tir, un but. Dimas avec Vitor Baia. Dimas de nouveau, Vidigal. Dimas, l'intervention, la bonne intervention de Vieira. Zidane qui parvient à lancer Nicolas Anelka dans la surface. L'excellent retour de Jorge Costa. Anelka qui pour l'instant a du mal à passer devant Jorge Costa, à passer les épaules, à être le premier derrière la défense sur le ballon. Blanc avec De Sailly. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Marcel De Sailly qui a surtout pas mal de Portugais devant lui. Lizarazu, un ballon difficile qui file vers Thierry Henry. À la lutte avec Fernando Couto. Rui Costa, Sergio Conceição,
Figo, Vidigal, Dimas, Vidigal avec Rui Costa, Figo, le retour de Nicolas Anelka, l'intervention d'Emmanuel Petit et l'accélération de Thuram et peut-être le démarrage de Thierry Henry. C'est parti face à Fernando Couto, impeccable pour l'instant. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut bouger cette défense, Jorge Costa, Fernando Couto. Il faut faire en sorte qu'ils jouent le plus loin l'un de l'autre possible. C'est comme ça que l'Angleterre avait marqué ses deux premiers buts avant de sombrer. Thuram avec Blanc, Deschamps, De Sailly. Laurent Blanc pressé par Nuno Gomes, il s'en sort. Vieira. Oh, le méchant tacle de Vidigal, non ? Non, non, il avait perdu le ballon. Il va prendre un carton, Lilian Thuram. Il va prendre un carton pour ce tacle sur Luis Figo. C'est le premier carton du match. Non, carton pour Patrick Vieira. Mille pardons. C'est lui qui est allé tacler là-bas. Il ne faut pas s'énerver. Même si les Français sont menés 1-0, il faut rester dans l'axe de la tactique fixée. Prendre peut-être un petit peu plus de risques, ça c'est normal. Mais surtout pas céder à l'énervement. Figo. Pressé par Zinedine Zidane. C'est rare de voir ces deux champions, sans doute les deux meilleurs footballeurs du monde, face à face. On attendait leur duel, le voilà. Pour l'instant, il n'est que physique. On espère voir d'autres gestes tout à l'heure. Figo qui joue envers Nuno Gomes. Intervention Thuram, Zidane. Et dans l'axe, l'arrivée de Da Costa. Et Zidane qui intervient devant Vidigal. Petit a voulu redonner à Zidane. C'est un petit peu trompé. Ça repart avec Dimas et Rui Costa. Petit encore. Vieira. Thierry Henry. Allez, le duel engagé face à Jorge Costa pour le débordement. Le centre de Thierry Henry. Et la bonne intervention de Vitor Baia. Ouais, centre au premier poteau. Au bout du terrain. Vraiment à l'arraché. Et Victor Baia qui était également au premier poteau. Zidane. Rui Costa. Avec Cancelo. Rui Costa encore. Serré de près par Lizarazu. Obligé de reculer Rui Costa. De Sailly. Anelka avec Marcel De Sailly encore qui va changer le jeu là-bas vers Thuram. Oui, il fait bien, il y a énormément de densité en milieu de terrain. Vieira. De Sailly. Il joue long sur Thierry Henry qui a voulu tenter la déviation vers Anelka. Ça n'a pas fonctionné, ça va revenir. Vieira. Et stoppé illicitement par Da Costa. Ouais, très actif Vieira quand même depuis le début de cette rencontre. Il sent que c'est à lui d'aller un petit peu aider devant et de s'engager, de profiter de son physique incroyable. Et il le fait très bien. Petit met ce ballon sur la tête de Laurent Blanc. Ah, difficile, elle était derrière cette balle. Lizarazu à la tombée. Da Costa de l'autre côté. Et encore Lizarazu. Attention. Allez, attention à ce ballon. Figo qui a voulu donner la profondeur à Rui Costa. C'est De Sailly qui est intervenu. Oh, Laurent Blanc s'est fait mal sur l'intervention de Vidigal. Mais le jeu se poursuit avec Nuno Gomes. Il y a un défenseur de moins dans la défense française. Figo dans la surface. Oh, bien joué. Barthez. Bien joué Fabien Barthez. Il fallait anticiper. Ce centre en retrait aurait pu être meurtrier. Et Laurent Blanc
est toujours sonné alors que le ballon, vous voyez, n'était pas sorti. Et c'est juste après que Laurent Blanc va prendre le choc de la tête. Bien joué, Diego Costa catalogué. Ah oui, Diego Costa. Ça file là-bas jusqu'à Luis Figo, pris par Lilian Thuram. C'est Concession qui me fait peur depuis le début de cette rencontre. Il est à l'origine du but tout à l'heure et il est toujours à la limite, à la rupture. Vidigal écarte sur Concession face à Lizarazu. Bonne intervention de Lizarazu. Abel Javier. Concession encore, mais la faute. Faute de Zinedine Zidane sur Abel Javier. Les grands gabarits sont montés, Couteau, Vidigal, Abel Javier, il va également. C'est Figo qui frappe ce coup franc, il est bien frappé, bonne sortie de Barthez. Il cherche une solution pour relancer vite, il la trouve avec Zidane. Oui, parce que du côté de l'équipe de France, lors du match contre le Danemark, on a chronométré qu'il avait gardé le ballon deux fois au-delà de 10 secondes. Et donc Roger Lemaire, Guy Stéphan et René Girard ont remis les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Lizarazu avec Deschamps. Lizarazu encore. Revient derrière avec Marcel Desailly. Laurent Blanc. Petit. Énormément, ce qu'il a parfaitement bien fait, Nicolas Anelka. Il n'y avait pas assez de puissance. C'était difficile à cet endroit-là. Bon, ça va aller vite. L'accélération de Luis Figo de l'autre côté qui frappe à son tour. Et c'est Desailly qui a contré la trajectoire de ce ballon. Et on va vite d'un camp à l'autre. Deschamps avec Thuram qui va peut-être pouvoir lancer Thierry Henry. Non, parce qu'il y avait Dimas. Vieira avec Thuram. Petit. Et vu le démarrage de Zinedine Zidane dans la surface, aux prises avec Abel Javier, à l'arrivée de Lizarazu. Et ce sera un corner à jouer pour les Français. Et oui, les deux anciens bordelais qui s'attendaient sur cette occasion, alors qu'on voit le tir de Nicolas Anelka toujours cadré, et celui de Figo juste derrière, contré par Marcel Desailly, à peu près dans le même angle. Allez, Manu Petit, un beau corner comme à Arsenal, généralement pour la tête de Patrick Vieira, qui est surveillé de près par Vidigal. C'est bien parti, bien frappé ce corner au deuxième poteau, récupéré par Thierry Henry. La frappe est contrée par Jorge Costa, ce sera une touche. Ah bah, c'est-à-dire que les Portugais sont évidemment les 11 dans leur camp, ça c'est une évidence, mais ils sont aussi 10 quasiment dans la surface de réparation. Vieira qui joue cette touche. Thuram met ce ballon dans la surface, la tête de Laurent Blanc. Ah oui, il a essayé de l'amortir pour Nicolas Anelka, mais à la limite du hors-jeu, c'était difficile, regardez. Et en plus, il y avait une position de hors-jeu de Thierry Henry devant. Allez, ça ne marche pas pour l'instant, mais ça peut venir à tout moment. Il faut simplement trouver le bon décalage. Figo avec Dimas. Vidigal qui a trouvé Figo dans un tout petit espace là-bas. Vidigal encore. Oh, ils vont pas s'en sortir là. Et c'est finalement Figo, malgré Vieira, Thuram et Zidane. Et bien c'est Rui Costa qui peut tenter de déborder là-bas, qui y parvient. Il a écrasé son centre. Que convoitait Nuno Gomes et Concession. Oui, de la pointe du bout du pied, ça n'a pas suffi. Anelka qui a pris ce ballon de la tête, mais Abel Javier devant Thierry Henry.
Thierry Henry que voilà. Vieira. Non, il s'est piqué là-dessus. Rui Costa dans ses œuvres. Il concède la touche quand même. En tout cas, il y a une débauche d'énergie portugaise en milieu de terrain. Je ne sais pas s'ils seront capables de tenir ce rythme tout le match, mais pour l'instant, c'est impressionnant. Thuram avec Laurent Blanc. Emmanuel Petit venu chercher ce ballon et pour le remonter aussi via Thuram, via Vieira. Lizarazu de Sailly. La faute au Slovaque Igor Sramka qui n'a pas pris de décision sur cette frappe. Vous parlez d'arbitre assistant. Là-bas, et du coup, M. Benko a tranché, il a donné un 6 mètres. Nuno Gomez. Qui a donc marqué son quatrième but. Il n'est plus qu'un but de Kluivert et de Milosevic dans cet euro. Barthez, loin devant. À la tombée, Thierry Henry a laissé bon à jouer. Et c'est Jorge Costa qui a été le plus prompt à dégager ce ballon. Voilà, ça suffit. Thuram. Avec Deschamps. Emmanuel Petit à ses côtés. Une solution en profondeur avec Thierry Henry qui propose beaucoup. Didier Deschamps, c'est un petit peu long. Et ça repart avec Vidigal, Dimas, qui va vite là-bas sur son côté gauche. Luis Figo. Dimas de nouveau. Vidigal. Un couteau qui est monté très très haut au-dessus d'Henri. Ça, il va peut-être moins vite, mais il va certainement pas moins haut. Vidigal. Vous ne verrez pas évidemment de jouer et d'élire vos trois joueurs préférés dans ce match. Vous considérez en tout cas les meilleurs pour le podium. Résultat dans le magazine de l'Euro chez Gérard Rolls. À partir de 14h45. Que c'est beau. Avec Rui Costa qui va pouvoir centrer. Ça a été contré de Sailly devant Nuno Gomez. Thuram avec Petit, c'est trop long, gare à ses ballons, récupéré par Luis Figo qui a des solutions devant lui, il conserve le ballon, il écarte vers Sergio Conceição. Donc il parvient à centrer le bon centre de Conceição. On parle des centres de Beckham, mais celui-là le vaut largement. Rui Costa et le Portugal qui pousse. Il faut y aller là, voilà. Oui, bon Barthez. Zidane avec Thierry Henry devant lui. Il a conservé le ballon lui aussi, Zinedine Zidane qui gagne du terrain, trouve Nicolas Anelka. Deschamps, oh, il n'y a pas de faute de Figo. Ça c'est pas sûr quand même, mais bon, l'arbitre a décidé autrement. Et là, en revanche, il a signalé une faute d'Emmanuel Petit sur Luis Figo. Et ça joue, et ça joue, les Portugais jouent tout de suite. Conceição avec Figo. Et Vidigal qui écarte là-bas vers Dimas. Vidigal encore. C'est Zinedine Zidane qui va faire le travail défensif. Il n'y avait rien du tout, c'était très bien joué de la part de Nuno Gomez, mais il allait tellement vite qu'il n'a plus les appuis, il est tombé tout seul, vraiment tout seul. Bien joué Anelka avec Vieira. C'est son cerveau qui a été plus vite que ses jambes. Henri, il y a encore accélération, Thierry Henry va beaucoup plus vite que Jorge Costa. Oh, le Slovaque là-bas ne signale jamais rien l'arbitre assistant. Ouais, je crois qu'il ne faut rien attendre là-bas. Parce que là, s'il n'y a pas une faute, on a vu la main posée, ça suffit.
puisqu'il est déjà en déséquilibre pour amorcer sa frappe, son centre. Si on pousse un tout petit peu, eh bien le joueur tombe, c'est ce qui s'est passé. Ah oui, parce qu'il va beaucoup plus vite Thierry Henry que Jorge Costa, mais malheureusement ça tombe beaucoup moins vite chez Igor Sramka, le Slovaque là-bas, qui a oublié de voir un corner et qui a oublié de voir cette faute juste à l'instant. Allez, Thierry Henry, la sortie d'Abel Javier, d'Acosta avec Vidigal, pris par Vieira. Oh, là aussi il est retenu, Patrick Vieira, par le maillot encore pour l'empêcher d'aller jouer ce duel de la tête. Visiblement, Monsieur Benko a du mal en ce moment. Ah, ce serait quand même pas mal d'en mettre un petit avant la mi-temps pour égaliser. Barthez avec Laurent Blanc. De Sailly. Petit. Anelka. Suivi par Da Costa et les Français qui reculent. De Sailly qui va repasser par Fabien Barthez. Oui, parce que Da Costa est monté sur lui pour l'empêcher de jouer. C'est un pressing à tiroir qui fonctionne bien. Un milieu défensif qui va presser le stopper. Pas perdre ce ballon, pas perdre ce ballon, Patrick Vieira. Et c'est De Sailly qui sort et qui fait la police. Oui, Marcel De Sailly. Aïe, 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 aïe. Oui, le carton pour Marcel De Sailly sur ce tacle plus qu'autoritaire. Oui, parce qu'il a décollé les deux pieds. En fait, il a voulu affirmer son autorité, comme vous le dites, Christophe. Mais un petit peu trop. Et quand on décolle les deux pieds, comme il va le faire là, voilà. Ça, c'est un carton jaune assuré. Après Vieira, De Sailly est averti. Je crois qu'il ne faudra pas trop parler ni s'énerver avec Monsieur Benko, qui n'a pas l'air d'humeur. Il est situé à une trentaine de mètres, plein axe, début de Fabien Barthez. Il y a de gros frappeurs de balles du côté du Portugal. C'est pour Sergio Conceição, c'est Zinedine Zidane qui a contré ce ballon. C'est difficile comme combinaison. Tourner dos au but, de se retourner instantanément et frapper. Victor Baya, hop, la mauvaise relance. Un petit peu d'inattention. La touche sera française. Thuram. Beaucoup de monde devant lui. Il n'y a pas une solution. Il en a une en soutien avec son capitaine. Il préfère chercher Zidane. Un Zidane devancé par Da Costa. Figo. Thuram. Et la perte de balle et le long dégagement de Da Costa. Il faut sortir sur ce ballon parce que ça va vite avec Conceição. Il faut sortir. Barthez l'a compris, qui dégage un petit peu à la hâte. Oui, on se rappelle qu'au même endroit, De Wilde avait été un petit peu moins impérial avec la Belgique. C'était quand même plus proche de ses buts. De Sailly avec Vieira. Vous rappelez que vous pouvez pronostiquer également sur le site France 2, www.france2.fr, pronostiquer pour la finale. Sachez que les pronostiqueurs les plus précis pour la finale gagneront 50 000 francs. C'est pas 10 000. Ah non, c'est pas 10 000. Cette fois, on a cassé la tirelire. C'est bien 50 000 francs, Pierre. C'est pour récompenser tous les internautes qui viennent surfer sur le site France2.fr. Mené de main de maître par Pierre Salveac, et ils sont de plus en plus nombreux, ces internautes. Ah, dommage, encore. Aïe, 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 aïe. Il y a de l'imprécision là dans le jeu français. Il y a de l'imprécision et de la pression qui explique l'imprécision.
Ils sont pour l'instant improductifs en but, les Français, ça les énerve. Et ils voient le temps s'écouler. Il fait des fautes, Zidane. Sergio Conceição, qui est en train de donner le tournis à Didier Deschamps, qui a voulu lancer Nuno Gomes. Et la bonne sortie de Fabien Barthez qui relance devant lui avec Marcel Desailly. Ouais, et puis depuis le début de cette rencontre, il faut bien avouer que l'équipe de France ne s'est pas provoqué vraiment la grosse occasion de but, bien évidemment, mais il n'y a pas vraiment eu une occasion franche pour les Bleus. Ça, c'est le centre de tout à l'heure. Conceição. Qui change complètement le jeu vers Dimas. Et les supporters portugais qui chantent leur joie pour le moment. Oui, faute de Vidigal, incontestable. Il va y avoir droit aussi, Vidigal. Oui, parce que ça fait un moment, c'est pour l'ensemble de son œuvre dans cette première mi-temps à Vidigal. Alors, Henry. Allez, Thierry Henry qui va pouvoir accélérer, il est un petit peu excentré. Il y a Anelka au point de pénalty. Soutien Vieira, Zidane dans la surface, Vieira encore, et la frappe est trop enlevée. Oui, un peu arrêté Patrick Vieira, mais comment pouvait-il faire autrement? Et bon appel surtout de Thierry Henry. Alors, on voit la fin de l'action avec l'appui de Vieira sur Zidane et la frappe, mais complètement arrêtée, extérieur pied droit. Abel Javier qui pose ce ballon à terre. Joue avec Rui Costa. Écarte vers Dimas. Figo. Cherchait Nuno Gomes, il est tombé sur Desailly, Figo. Ce qui n'est pas bon signe. Qui va tenter sa chance. Oula ! Zidane, c'est à côté du cadre de Vitor Baia. Zinedine Zidane qui est obligé de revenir un petit peu au niveau de ses milieux défensifs pour trouver un petit peu d'air, un petit peu de champ. Et ce ballon qui va passer, pas loin du tout, hein, quand même. Vieira l'a tombé. De l'autre côté, Thierry Henry, toujours serré de près par Jorge Costa. Zidane, à la faute, laisse l'avantage, Monsieur Benko. Est-ce vraiment un avantage? Allez, oui. Desailly. Da Costa avec Figo. Suivi par Petit. Petit est effacé. Rui Costa trouvé. Bien revenu Emmanuel Petit. Et Da Costa qui va lancer Sergio Conceição à la lutte avec Lizarazu. Il est toujours en jeu, ce ballon toujours en jeu. Et la touche sera portugaise. Rui Costa. Malgré le cri de Conceição, il ne va rien obtenir parce qu'il n'y avait aucune faute. Petit, un ballon perdu récupéré par Vidigal. Rui Costa qui va lancer Conceição. Devancé par Marcel Desailly. La faute signalée par l'arbitre assistant là-bas de Marcel Desailly sur, ouais, Sergio Conceição. C'est vrai qu'il y a faute. C'est vrai qu'il y a faute. Regardez l'obstruction de Marcel Desailly pour laisser cette balle sortir. Mais il y a combien d'arbitres qui laisse l'avantage aux défenseurs dans ce cas-là. Et dans les arrêts de jeu de cette première période, voilà un très bon coup franc à jouer pour les Portugais qui mènent déjà 1-0 depuis la 19e minute. Figo qui botte ce coup franc renvoyé par Zidane. Anelka avec Deschamps. Pris par le retour et de Fernando Couto et de Jorge Costa. Dimas. Rui Costa avec Vidigal.
c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Benko. 1-0, but de Nuno Gomes, son quatrième du tournoi à la 19e minute. Le Portugal pour l'instant est qualifié. Oui, mais il reste une mi-temps et on espère bien que les Bleus vont passer un peu le turbo dans la deuxième période et prendre peut-être des options un petit peu plus offensives. Ça, on va voir avec Roger Lemaire. Pour qui la belle histoire continue. Allez, la suite. Oui, si vous vous souvenez de ce but contre l'Angleterre marqué par le Portugal qui avait duré 54 secondes, et bien ce but, Roger Lemaire l'a passé aux Français hier dans sa conférence pour leur montrer que pendant 54 secondes, 58 secondes même très exactement, les Anglais n'avaient pas touché le ballon. Et bien regardez le but qu'encaissent les Français. Ça dure 24 secondes et c'est le seul moment que vous venez de voir où Emmanuel Petit a touché un petit peu la balle. Mais sinon, les Français, pendant 24 secondes, n'ont pas touché une seule fois le ballon. Ça veut dire que eh bien, ce qu'a expliqué Roger Lemaire n'a pas été parfaitement écouté de la part, et compris surtout de la part de ses joueurs. Allez, ils ont 45 minutes pour le toucher un petit peu plus et voir plus si affinité, s'il y a égalité en fin de match. Gomez, il mène 1-0. Oui, on va retrouver Arsène Wenger qui a suivi avec nous cette première mi-temps. Des Français qui n'arrivent pas vraiment à trouver de solution efficace. Pas une seule occasion nette dans la première mi-temps, Arsène. On sent que les Portugais verrouillent bien quand même la situation. Oui, mais il y a quand même des incohérences dans leur jeu défensif. Je reste foncièrement optimiste et je pense que la fatigue aidant, la France va trouver des brèches en deuxième mi-temps. Il faut peut-être mieux occuper les côtés, même si les Portugais bloquent nos arrières latéraux. Et je pense que ce travail sur les côtés ne peut venir que des attaquants. Quand Henri est axial, il faut qu'Anelka aille sur les côtés. Quand Anelka est axial, il faut qu'Henri aille sur les côtés. C'est de là qu'on peut créer le danger, à mon avis. Eh bien, on va voir si les Français réalisent ce que vous dites en deuxième mi-temps. En tout cas, Henri et Anelka viennent de rentrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils seront bien là dans cette deuxième mi-temps. On va voir quand même s'il y a des changements, parce que c'est vrai que en deuxième mi-temps, en tout cas, Henri et Anelka viennent de rentrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils seront bien là dans cette deuxième mi-temps. On va voir quand même s'il y a des changements, parce que c'est vrai que lorsque une équipe est menée 1-0 et qu'elle n'a pas réussi à réaliser ce qu'elle souhaitait, eh bien, en général, il y a des changements, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques minutes. Et on souhaite vraiment à cette équipe de France d'arriver à reprendre ce match d'arriver surtout à se créer des occasions pour faire douter les Portugais. Pour l'instant, il n'y a que 7 Français sur le terrain. On attend les suivants. Blanc, Thuram arrive. On va voir surtout si Petit est là. Voilà, oui, Petit est là. Il n'y a pas de changement. Côté portugais, c'est une certitude. Il n'y en a pas. Et non. Et pas du côté français non plus. Tout le monde est là. Alors, on attend quand même Vieira. Il est là. Il voilà, est là. Les 22 qui ont débuté tout à l'heure cette rencontre vont débuter de nouveau cette rencontre, cette deuxième période. Ce sont les Français qui donnent le coup d'envoi. Les deux attaquants, Anelka, Henri, de qui l'on attend monts et merveilles dans cette deuxième période. Les champions du monde sont pour l'instant mal menés. Ils sont menés au score 1-0. Ils doivent absolument réagir, égaliser. Thierry Adam et avec côté de Guy Stéphane pour savoir ce qui s'est passé. Oui, Guy, que s'est-il dit dans le vestiaire et est-ce que vous avez essayé de trouver une solution par rapport à cette impuissance, puisqu'on n'arrive pas à trouver de faille dans cette défense portugaise? D'abord, il ne faut pas paniquer. Certes, on est mené au score, mais il y a des possibilités, je pense. Il faut amener un petit peu plus de précision dans notre jeu et un petit peu plus de vitesse et de réalisme devant. Est-ce qu'il y aura des changements tactiques dans les minutes qui viennent? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est possible qu'en début de deuxième mi-temps, il y en ait, parce qu'on a besoin de revenir au score. C'est une nécessité, sans partir à l'abordage. Merci. Ils installent devant les buts Vitor Baia pour l'instant, les Français. Et on a vu encore un geste remarquable de Zinedine Zidane. Guy Stéphane, l'un des entraîneurs adjoints de Roger Lemaire, qui avec René Girard est chargé de l'entraînement général des Bleus. Emmanuel Petit. Il ne faut pas partir à l'abordage, il ne faut pas paniquer, mais certainement vous, devant votre écran, vous devez être un petit peu comme nous, un petit peu crispé. Et le plus tôt sera le mieux, hein, dans l'égalisation. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Deschamps. Zidane se débarrasse de Dimas. Oui, de Da Costa. Ensuite, à chercher Anelka, c'est Fernando Couto qui a jailli. Récupération française. Petit. Le démarrage de Vieira. Pas signalé hors jeu. Il était à la limite. On arrive d'être derrière. Thierry Henry qui passe en force. C'est la lutte avec Jorge Costa encore. Jorge Costa qui pour l'instant fait un match exemplaire devant Thierry Henry. Il y a
faute de Patrick Vieira. Il faut qu'il fasse attention, il est averti quand même, Patrick Vieira. Rui Costa avec Nuno Gomez qui laisse filer vers Sergio Conceição, la bonne inspiration. Mais l'arrivée de Bichente Lizarazu qui va obtenir une touche. Et le bon retour de Bichente Lizarazu. Alors qu'on s'échauffe du côté français avec Youri Djorkaeff, Robert Pires. Et David Trezeguet. Et David Trezeguet qui les a rejoints à l'instant. Oh ouais, il avait levé les jambes avec Xavier. Monsieur Benko n'a rien dit. Du coup, c'est un contre portugais. Il ne dit rien non plus. C'est cette double charge sur Luis Figo. Et les deux fois, c'est bien vu de la part de l'arbitre. Vieira. Avec Petit. Vieira encore. Thuram. Le long vers Thierry Henry. C'est un petit peu trop long, même s'il va vite, Thierry Henry. Surtout, Jorge Costa avait de l'avance. Ce sera un renvoi aux 6 mètres. Oui, puis il est difficile à bouger, Jorge Costa. Qui a la réputation d'un joueur dur. Et bien, depuis le début de cet Euro, il n'a pris aucun carton jaune. Ce qui va quand même à l'encontre de cette réputation. Attention. Oui, Barthez qui est bien sorti, qui a dégagé très loin ce ballon sur la tête de Fernando Couto. Celle de Da Costa, ça va filer jusqu'à Vitor Baia. Et bonne protection de Couto devant son gardien. Rui Costa, Dimas. Chercher Figo, il est tombé sur Laurent Blanc. Oh, bien joué de la part de Blanc. Avec Lizarazu, Blanc encore à la manette. Anelka. Lizarazu. Les Français en tout cas qui semblent être rentrés déterminés des vestiaires. Deschamps. Henri qui donne de l'air au jeu et qui a trouvé Thuram sur son côté droit. Le centre de Thuram s'est pris par Fernando Couto et ce sera sans souci pour Vitor Baia. Oui, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait faire Fernando Couto, mais il avait senti Anelka dans son dos. Luis Figo. Le jeu de Vieira, le tacle de Thuram, Figo quand même avec Dimas qui va avoir de l'espace devant lui. Figo. Figo qui pourrait bien rejoindre finalement la Lazio. Un transfert énorme. Les discussions sont lancées entre la Lazio et le Barça. Il semble que ça se précise. Henry, oh, il y a beaucoup de monde devant lui, mais il va vite Thierry Henry. Il a buté sur Abel Javier. Il a buté sur Couto, sur Jorge Costa, sur Abel Javier, sur tout le monde parce qu'ils se sont resserrés les uns après les autres sur lui. Thuram. Chercher Petit, c'est Lizarazu qui est intervenu pour prendre ce ballon finalement. Lizarazu. Ah là là. Monsieur Benko qui n'intervient pas une nouvelle fois, ça n'est pas du goût des Français, le jeu se poursuit. Mais il était bien placé, il était à 3 mètres de l'action. Très très bon appel sur le côté, très bien redressé. Et Thierry Henry qui aura pivoté parfaitement pour trouver la solution. Et bien on souffle un petit peu quasiment de Vitor Baia. Ouf là. Oui, Henry qui répond à Nuno Gomez, c'est le troisième but de Thierry Henry. Et les Français repartent à la charge avec Anelka, avec Zidane. Moment de folie dans ce match. Zidane qui trouve son buteur, laisse filer pour Lizarazu. Eh bien, il y avait à peu près que les 11 sur la pelouse et leur encadrement pour ne pas paniquer. Hein. Oui, parce que les minutes passant, évidemment, on nous dit que ça peut s'arranger, c'est vrai, mais autant le faire. Et c'est bien fait maintenant. Et maintenant, c'est un autre match qui commence. Vieira avec Zidane. Vieira encore, ça va filer jusqu'à Anelka. Ils sont en train, les Français, d'étouffer les Portugais en ce moment. Thuram qui bute sur Da Costa. Laurent Blanc avec De Sailly. Thuram. L'appel de Thierry Henry encore. Thuram préfère jouer avec Emmanuel Petit. Zidane. Didier Deschamps. Les cartes sur Lizarazu.
et qui s'est retourné très rapidement. Deschamps, petit au passage la faute certainement de Figo, mais monsieur Benko laisse l'avantage. Ouais, il a vu la faute et il va laisser l'avantage jusqu'au bout. Et Barthez qui dégage très loin, un avertissement verbal, je ne sais pas si ce sera suivi d'un carton. Ah, je crois. Pour Figo. Ce ballon, oui. Ah non, il sort pas. Et monsieur Benko, il a mis la main. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié, monsieur Benko, et Luis Figo sera averti dans quelques instants quand le ballon sera sorti, s'il sort un moment. Peut-être après le but. Anelka tombe sur Dimas. Da Costa écarte vers Luis Figo, justement devancé par Lilian Thuram qui va aller provoquer Dimas. Voilà ce ballon qui est hors des limites du terrain. Et voilà, et Luis Figo qui va prendre son carton jaune, c'est fait. Alors qu'on a revu cet exploit de Thierry Henry qui marque donc son troisième but de cet Euro après le Danemark et la République tchèque. Figo cherchait Nuno Gomez, il est tombé sur le roc défensif Marcel Desailly. Manu Petit avec Laurent Blanc. Et une folle ambiance dans ce stade roi vaudois ici à Bruxelles. Petit. Laurent Blanc avec Lilian Thuram. Deschamps. Allez, ça fait, il y a l'avantage. Thuram qui va lancer Nicolas Anelka. Coup franc. Et c'est bien jugé parce que cette faute était à l'extérieur de la surface. À l'extérieur de la surface. Et carton jaune, et bien on en parlait tout à l'heure. Le voilà, le premier carton jaune de 7 euros pour Jorge Costa. Et pour une fois, regardez, Anelka avait réussi à passer les épaules. On parlait de ce problème en première mi-temps, qu'il n'avait jamais réussi à prendre le dessus physique sur son adversaire direct. Et là, ça a été fait. Et là, ça ne pardonne pas. Il est obligé de commettre la faute. Et là, c'est un coup franc. Il y a Emmanuel Petit évidemment, puisque a priori c'est plus pour un pied gauche. On l'a vu avec Arsenal frapper des coups francs. Oh, il y a un super ballon de 2-1. Et ben, quand vous êtes gardien de but, vous avez d'un côté une solution Zidane, de l'autre côté Emmanuel Petit. Vous n'êtes pas rassuré. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mur devant Vitor Baia. Ça y est, c'est fait, c'est constitué. Vieira Henry revient un petit peu comme contre l'Espagne dans le mur. Allez, une super occasion. Emmanuel Petit qui s'était lancé. Ça a été contré. Ça revient dans les pieds de Thuram. Il n'y a pas de hors-jeu. Et gare au contre. Et c'est Didier Deschamps qui revient. Figo face à Deschamps, il va plus vite. Luis Figo que Didier Deschamps, il parvient à centrer. Et la tête de Vicente Lizarazu qui lui aussi revient à toute vapeur. J'ai eu très peur pour Didier Deschamps sur cette intervention. Regardez, où il va quand même faire une petite obstruction. Heureusement, il s'est arrêté, le capitaine français. Parce que n'oublions pas qu'il est, il a déjà un carton jaune du match contre l'Espagne. Et qu'il peut, en cas de carton jaune, eh bien, il raterait la finale si la France y parvient. Et d'un formidable coup franc pour les Français. On se retrouve avec un corner pour les Portugais. Un dégagement difficile de Fabien Barthez et peut-être un nouveau corner à venir. Non, elle n'est pas sortie. Non, parce que quand c'est ça, je préfère jouer le coup dans la foulée. Le dégagement de Lizarazu, le courageux. Dimas. Oui, Anelka, non. Rui Costa finalement a jailli plutôt qu'Anelka, mais ça va revenir côté français. Zidane. Avec Thuram, le mauvais contrôle et l'intervention de Dimas. Alors, que va-t-il donner? Non, il donne un coup franc portugais, me semble-t-il. Coup franc portugais, oui, pour cet engagement un petit peu exagéré de Thuram. Jorge Costa avec Rui Costa. Impeccable changement de jeu là-bas vers Sergio Conceição, le ça, poison. C'est du grand art. On vient jouer Manu Petit qui est intervenu devant Conceição et Anelka avec Zidane. Pris par Vidigal, Rui Costa encore. Et cette fois c'est Vieira qui intervient. Abel Javier, Rui Costa.
Vieira encore qui parvient à tacler et Lizarazu qui profite de ce tacle. Il faut se souvenir qu'en début de match, les Français détenaient le jeu avant de prendre vraiment ce but. On ne peut pas dire en compte parce qu'il a duré 25 secondes, mais ils avaient bien le match en main. Et on peut penser que là, ils sont en train de reprendre cette base de départ. On espère simplement qu'ils ne vont pas s'exposer à un but portugais. Zidane qui a réussi son geste avec un petit peu de réussite et qui va pouvoir écarter vers Nicolas Anelka. Ballon difficile pour l'attaquant du Real. Anelka, oh, bien joué. Un corner. Bien joué parce qu'il a fallu qu'il empêche ce ballon de sortir. Ensuite, il a fallu qu'il redresse sa course. Il s'est appuyé, je crois, un petit peu sur l'arbitre assistant. Et ensuite, aller chercher ce corner. Il ne faut pas espérer beaucoup mieux. En tout cas, Pierre Arsène qui nous disait tout à l'heure, il faut que les attaquants viennent sur les côtés. Hein. Ben, c'est ce qu'ils sont exactement en train de faire. Ouais, et c'est ce qui a permis un appel latéral aussi tout à l'heure de redresser ce centre et permettre à Henri de marquer. Petit au corner et du monde devant les buts de Vitor Baia. La tête de Desailly, c'est à côté du cadre. Kylian Monteo, Marcel, regardez-le. Avec Jorge Costa devant lui. Quelle tension, on retrouve un petit peu la même tension que contre l'Espagne. José da Costa avec Abel Javier. Un changement qui se prépare côté portugais, l'entrée en jeu bientôt de Paulo Bento. Et peut-être bien à la place du champion de France monégasque José da Costa. Abel Javier qui revient par Vitor Baia. Desailly à la tombée, il y a une position de hors-jeu de Thierry Henry, mais le jeu se poursuit. Bonne présence d'Emmanuel Petit, c'est bien. Et c'est Vidigal qui va céder sa place à Paulo Bento. C'est du poste pour poste. Les deux hommes jouaient ensemble lors du premier match. Sergio Conceição avec José da Costa qui depuis qu'il a marqué ce but dans les arrêts de jeu contre la Roumanie a gagné sa place dans la sélection portugaise. Même s'il n'était pas très content de sortir lors de la dernière rencontre à la mi-temps contre les Turcs et qu'il l'a fait savoir, ça a failli lui coûter sa place de titulaire auprès d'Humberto Coelho que vous voyez ici. Mais finalement, l'entraîneur portugais lui a renouvelé sa confiance. Fernando Couto, très haut. Vous voyez pas en jeu Nuno Gomes, mais un petit peu seul. Du soutien avec Sergio Conceição. Face à Emmanuel Petit, parvient à centrer Conceição. C'est long, c'est loin, beaucoup trop loin pour Luis Figo. Vieira, allez dans la relance, qui tombe sur Dimas. Rui Costa, qui va pouvoir frapper, contré par Laurent Blanc. Anelka, pris mais irrégulièrement par Jorge Costa. Ouais. Et devant l'arbitre. C'est joué vite ce ballon sur Thierry Henry. Oui. Oh là là ! Oh, quelle faute ! Oh, quelle faute de Dimas sur Thierry Henry. Oh là, il faut qu'il prenne. Très très en retard, Dimas. Très très en retard. Oui, carton jaune, mille fois logique. Après Vidigal, Jorge Costa, oh oui. Dimas. Oh, il s'en tire bien avec le jaune. Hein. Oh, il s'en tire très très bien. Ouais, il faut reconnaître et saluer la correction de Thierry Henry qui n'a pas cherché à montrer qu'il était broyé en mille et qui allait tout de suite se placer à la réception du centre. C'est un méchant tacle qui méritait peut-être. Oh, c'est surtout un tacle en retard. Méchant peut-être pas, mais en retard, en tout cas, ça c'est certain. Zidane. Une faute. Faute devant les buts de Vitor Baia. Manuel Petit qui a dû s'agripper avec son défenseur. Paulo Bento. Dimas. Vers Luis Figo. Superbe contrôle de ce ballon. Face à Lilian Thuram, Luis Figo, il a
peut-être pouvoir centrer. Il en a la double couverture devant lui. Rui Costa avec Dimas qui lui centre. Dimas au deuxième poteau vers Sergio Conceição. Ce sera une touche en faveur des Portugais. Paulo Bento avec Conceição. Bento. Da Costa suivi par Zidane. Il s'en est sorti Da Costa et ce sera un corner. Et la rentrée de Paulo Bento, c'est un choix un petit peu plus technique d'Humberto Coelho en milieu de terrain par rapport à Vidigal qui amenait essentiellement son physique. Figo pour le corner, premier poteau. Sur la tête de Zidane, revenu défendre, comme tous les Français. Dimas. Oh, ils sont deux au fond, de l'autre côté, complètement là-bas. Rui Costa avec Fernando Couto dans l'axe. Gare à la frappe de Fernando Couto. Et c'est Laurent Blanc qui s'est sacrifié sur cette frappe. Figo. S'appuie sur Rui Costa, pris par Zinedine Zidane. Petit avec Deschamps, ça peut aller très vite côté français. Mais Deschamps était bloqué par Da Costa et c'est Vieira qui vient faire le ménage. Oh, elle était stoppée par Jorge Costa. Ça s'appelle déménager. Regardez comment il va s'extirper. C'était juste avant, là il bute sur Jorge Costa. Zidane avec Thierry Henry. Rui Costa. Dimas. Bento. Oh, bon pressing, le bon travail de Nicolas Anelka. Oui, parce que depuis quelques minutes, on était en train de redescendre un peu en milieu de terrain et de laisser les Portugais entrer dans notre secteur de jeu, dans notre partie de moitié de terrain. Abel Javier avec Luis Figo qui a à ses côtés Sergio Conceição. Le voilà servi, Conceição. Bien pris par ce tacle de Lizarazu, mais ça revient dans les pieds portugais. Abel Javier qui accélère devant Thierry Henry, et la faute de l'attaquant français. Qui reconnaît ? Nuno Gomes qui pensait que Zidane avait touché un tant soit peu ce ballon, ce n'était pas le cas. Thuram. Joue long et haut. C'est tombé sur la tête de Thierry Henry. Lizarazu. Avec Henry. Il a pris un coup de Lizarazu au passage. Je crois qu'il a pris un coup de genou. Et il perd dans les fesses contre Cessao parce que Thierry Henry reste à terre. Sur la hanche peut-être bien. Caméra de Georges Geoffrey. Ouais, c'est... Voilà, c'est là, c'est à ce moment-là, genre de béquille. Dimas, le long avec Luis Figo, qui a voulu remettre en soutien, c'est Nicolas Anelka qui a jailli, aidé par Patrick Vieira. Thuram, ah oui, joué avec Zidane. Il parvient à conserver ce ballon, c'est un miracle. Oh, l'artiste. En et démonstration, là, Zidane. Il l'a fait trois fois, c'est pas par là, c'est par là. Thuram. Thierry Henry qui a récupéré. Alors du mal à se retourner parce que les Portugais sont là, deux. Ouais.
Mais regardez, c'est de quoi est capable Zidane. Mais enfin, de toute façon, maintenant, plus rien ne nous étonne. On sait que lorsqu'il a le ballon dans les pieds, il faut s'attendre à tout voir. Vieira avec Henri, Vieira encore qui a poussé un petit peu loin ce ballon et Dimas en a profité. Figo qui lui bute sur Didier Deschamps et Lilian Thuram. Ah, il a glissé Thuram dans son dribble. Et ouais. Attention à Figo qui a de l'espace. C'est Laurent Blanc qui s'en va défendre devant le stratège portugais qui a commis une faute dans la foulée. Et Figo le sait que c'est très bien joué de la part de Laurent Blanc qui va chercher le coup franc. Honnêtement, il n'y a pas grand chose, regardez. Mais il va au contact pour justement que Figo commette la faute. Et Sylvain Wiltor devrait bientôt entrer en jeu. René Girard est allé l'appeler, le convoquer. Rui Costa. J'ai de revenir en arrière. Bonne solution à droite là-bas avec Abel Javier. Donc c'est ça. Oh. Abel Javier encore. Et ça tombe dans les pieds de Zidane. Petit qui va remonter ce ballon avec Deschamps. Zidane dans l'axe, ils sont nombreux les Français, il y a un super coup à jouer. Zidane qui a vu le démarrage d'Anelka dans la surface. Anelka qui a voulu centrer ce ballon, stoppé par le tacle de Fernando Couto. Henri. Oula. Ça se termine par une touche en faveur des Français. On a vu sur le même côté, tour à tour, Nicolas Anelka, bien servi par Zinedine Zidane, qui a tenté de croiser son centre, et puis ensuite Thierry Henry. Emmanuel Petit avec Didier Deschamps cherchait Thierry Henry, devancé par Abel Javier. Oh, il est tout seul Nuno Gomez face à trois Français, c'était beaucoup trop, même s'il a du talent, et surtout sur un ballon aérien. Oh, pas d'hors-jeu pour Zidane. Ouais, le centre. Oh, ah, il a glissé Nicolas Anelka sur ce centre de Zidane. Mais quel exploit encore de Zinedine Zidane. Et pendant ce temps-là, et pendant qu'on revoit cette balle travaillée pour Anelka qui a glissé effectivement au départ, et bien Fernando Couto est allé expliquer à Dimas qu'il fallait toujours avoir un œil sur Zinedine Zidane pour qu'il ne passe pas dans le dos de la défense. C'était quasi parfait s'il n'y avait pas eu la glissade. Vieira. Ouais, nouveau démarrage dans le dos des défenseurs. Thuram est présent, Anelka aussi devant les buts, Thierry Henry également. Thuram qui temporise, mais en retrait à Didier Deschamps. Zidane écarte la balle sur Lizarazu qui parvient à centrer devant le but. C'est pas vrai, c'est que cette balle a été frappée un petit peu à l'intérieur, elle a rebondi et Thierry Henry était trompé alors qu'il était quasiment tout seul. Voici le changement, c'est donc Anelka qui va sortir et Wiltord qui va rentrer. Wiltord qui généralement lorsqu'il entre en jeu marque un but. Nicolas Anelka certainement un petit peu frustré, c'est vrai qu'il était bien dans cette deuxième période. Et c'est vrai que ses supporters disent de lui qu'il marque souvent en fin de match. Alors eux aussi doivent être un petit peu frustrés. Mais le groupe France, c'est ça aussi. C'est une qualité sur le banc. Et allez savoir si Roger Lemaire n'a pas raison dans son coaching. C'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, on peut quand même dire que Roger Lemaire ne s'est pas beaucoup trompé dans ses choix jusqu'alors. Oui, et pourtant, c'est vrai qu'il a choisi plusieurs options depuis le début de cet Euro, mais elles ont toutes porté leurs fruits. C'est peut-être pas un sélectionneur qui parle beaucoup, mais c'est un sélectionneur qui sélectionne et qui sélectionne très bien. Thuram.
avec Wiltord. Oui, c'est bien parti. Ce jeu en triangle, Thuram, Wiltord et Vira, et le corner à suivre. Et là, l'équipe de France est en train de se mettre en marche. Elle développe son jeu alors que Nicolas Anelka lui salue son banc. Allez, les Bleus qui poussent. Emmanuel Petit au corner. Ça va monter très haut encore de Sailly, mais là c'était difficile. Le podium, bien évidemment, pour élire vos trois joueurs que vous considérez les meilleurs dans ce match. Et puis, le site internet que vous n'oubliez pas, www.france2.fr. Et là, il y a la super cagnotte, 50 000 francs à gagner pour le pronostiqueur le plus précis sur le score de la finale. Donc attendez peut-être que les finalistes soient connus. En tout cas, vous aurez trois jours pour vous connecter au site France2.fr qui connaît un succès énorme. Jorge Costa. Oh oui, la bonne récupération d'Emmanuel Petit devant Fernando Couto et le bon retour d'Abel Javière. Ils sont là les Français, ils sont là, ils récupèrent des ballons pendant que les Portugais récupèrent de leur débauche d'énergie de la première mi-temps. Oui, grâce à cette récupération portugaise là, Figo, Rui Costa, ça file jusqu'à Sergio Conceição, c'est un mouvement qui est bien parti. Luis Figo, en bonne position, Luis Figo. Oui, il est tombé sur trois Français, ça faisait beaucoup. Et Petit qui va trouver Zidane, qui se heurte à l'arrivée de Dimas. Zinedine Zidane, coup de sifflet de Monsieur Benko, logique. Oui, la Dimas a écouté ce que lui a dit Couto tout à l'heure. Et il était près du meneur de jeu français, regardez, tellement près que c'était même difficile de s'en défaire. Thuram, avec Laurent Blanc. Il reste un gros quart d'heure dans ce match. Deschamps. Dans cette deuxième période, plus exactement. Parce que 6 égalités, prolongation. Zidane. Ça nous rappellerait quelque chose, remarquez. Vira. Un peu écarté sur Thuram. Et qui va poursuivre son effort. Et Thuram le sait. Qui repique dans l'axe, va chercher Thierry Henry. Deschamps, lui, va écarter sur Patrick Vieira. Et du monde devant les buts, Vitor Baia. Ce sera un corner sur ce tacle de Sergio. Sur ce tacle de Paulo Bento, pardon. Il manque plus que aux Français que de s'imposer maintenant sur ces coups de pied arrêtés où ils sont d'habitude exemplaires, où ils marquent beaucoup. On l'a vu contre la Hollande. Et toujours Petit, et toujours son pied gauche pour frapper ses corners. Ils sont souvent victorieux avec son équipe d'Arsenal. Celui-là est pas mal tiré. La sortie au point de Vitor Baia. Wiltord au deuxième poteau qui va obtenir la touche. Baia, elle était cadrée. Quelle reprise d'Emmanuel Petit. Et pourtant, c'est bien. Et Zizou qui lui dit mais t'es malade de tenter des trucs comme ça. Et changement également au Portugal avec Jean Quintan qui va rentrer. Je crois qu'il paraît à l'arbitre, hein. Zidane. Alors Rui Costa est sorti, Jean Quintan rentre. Ça veut dire que Figo peut-être va être un peu plus axial parce que Jean Quintan, on le voit mal jouer ailleurs que sur son côté gauche. Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez-le avec son numéro 8. Il est côté gauche, en milieu de terrain. Zidane. Zidane qui va lancer Thierry Henry. C'est un bon ballon à jouer. Et l'arrivée de Jorge Costa qui cette fois pousse ce ballon en corner. Il n'y a aucune ambiguïté. Nouveau corner pour l'équipe de France qui s'installe copieusement devant les buts de Vitor Baia. La domination est intense en ce moment. À environ 13 minutes du terme de cette rencontre. Et les supporters français qui donnent de la voix, qui poussent. Toujours Emmanuel Petit pour botter ce corner. Il est long et pris par Sergio Conceição.
Vieira. Sur la tête de Laurent Blanc, resté aux avant-postes. Et cette fois sans souci pour Vitor Baia. João Pinto, son premier ballon. Donc il lance pas mal son premier ballon. Oui, oui, il est bon face à Didier Deschamps, Nuno Gomes. Il y a du soutien avec João Pinto, justement. Figo. On passe par derrière et José da Costa et un Emmanuel Petit énorme dans cette deuxième mi-temps. Ouais, très bonne mi-temps d'Emmanuel Petit. Zidane, il y a faute sur Zidane. De l'autre artiste. Oui, parce que Emmanuel Petit, en première mi-temps, il a fait comme les autres, il s'est battu, il n'y avait pas de solution. Et là, il commence à en avoir un petit peu plus et il y est pour quelque chose. De Sailly, avec Laurent Blanc. Marcel De Sailly, Emmanuel Petit. Avec Zidane qui prolonge jusqu'à Vieira. Trouve Sylvain Wiltor. Zidane encore. Et c'est Figo qui maintenant vient défendre sur Zidane. Petit. Didier Deschamps. Ouais, on va faire sortir les Portugais qui sont tous chez eux. De Sailly avec Laurent Blanc. Attention, pas prendre de risque quand même. Thuram. Et là, ils sont en difficulté. Ouais, ils ont concédé la touche, les Français. Une passe un petit peu difficile et ça suffit. Mais au rendement, c'est récupéré par Laurent Blanc. Allez, il est sorti. Laurent Blanc, il va s'intercaler. Joue avec Zinedine Zidane. Qui garde ce ballon, Zinedine Zidane, qui trouve Wiltor. Et ça écarte jusqu'à Vicente Lizarazu. Wiltor. Avec Deschamps. Et il va frapper Didier Deschamps, c'est au-dessus du cadre. Il a vu une barrière verte et Bordeaux devant lui. Et il s'est dit que la seule solution, c'était de tenter cette frappe. Wiltor qui résiste à Luis Figo. Wiltor qui ne conserve pas ce ballon qui est tombé sur José da Costa, mais qui fait le travail défensif là, Wiltor. Figo, la combinaison avec Sergio Conceição et le bon tacle du capitaine Didier Deschamps. Qui réclamait la touche, pensant que Conceição avait touché en dernier la balle, pour pas vraiment donner tort à l'arbitre. Figo. Avec Abel Javier, Paulo Bento, Fernando Couto. Ça écarte jusqu'à Dimas. Et c'est un ballon perdu. On parlait de cette condition physique tout à l'heure et de cette dépense d'énergie. Les Portugais ont beaucoup couru dans la première mi-temps. Les Français aussi, mais les Portugais peut-être un peu plus. Et surtout, là, les Français font courir le ballon pendant que les Portugais courent sans le ballon. Vieira. Avec Emmanuel Petit. Trouve de la profondeur grâce à Wiltor. Ça atterrit dans les pieds de Dimas. Wiltor qui vient tacler João Pinto. Petit à son tour. Et coup franc signalé par Monsieur Benko pour ce tacle d'Emmanuel Petit sur João Pinto. Ouais, non, c'est un tacle anglais, on va dire. Dans le championnat d'Angleterre, c'est le lot commun. Mais sur le plan international, parfois ce genre de tacle est sanctionné. Abel Javier. Avec Nuno Gomes, pris par Emmanuel Petit. De Sailly, Wiltor. De Sailly. Deschamps. Thuram. Deschamps encore qui efface Luis Figo et de quelle manière, et qui trouve Emmanuel Petit qui va pouvoir gagner du terrain et lancer peut-être Thierry Henry. Bento
Luis Figo. Oh, ça devient crispant. Abel Javier. Da Costa écarte sur Dimas. Joao Pinto avec un petit peu d'espace. L'arrivée d'Emmanuel Petit face à lui. Pas de faute, pas de faute. Et il n'y a pas de faute, c'est ce qu'a dit Monsieur Benko. Et le contre, non, avorté par Jorge Costa. Une faute commise sur Jorge Costa au moment où il s'apprêtait à contre-attaquer à son tour. Ouais, au passage, petit accrochage avec Zinedine Zidane, ouais, le coude qui traînait. Paulo Bento. Da Costa. Aussi mettre normalement à jouer pour l'équipe de France. C'est confirmé par le trio arbitral. On va entrer bientôt dans les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Si rien ne bouge, ce sera la prolongation et ce fameux golden goal, le but en or, la mort subite, appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, celui qui marque est quasiment certain de gagner. Oh, ça va parfois tellement vite, regardez. Justement, l'Espagne. Figo. Derrière avec Da Costa qui va pouvoir écarter. C'est bien fait. Vers Paulo Bento. Joao Pinto pris par Didier Deschamps. Récupération Figo. Dimas. Thuram qui est monté très haut et Vieira récupère ce ballon. Vite repris par les Portugais. Dimas, Jorge Costa, un long ballon aux avant-postes. Pas de problème pour Fabien Barthez qui va relancer vers Lizarazu. Et qui va obliger Concession à revenir se placer en courant. Wiltor avec Thierry Henry. Aïe, il s'est précipité Thierry Henry. Et ça va revenir vite de l'autre côté avec Luis Figo qui lance Sergio Concession. Ça va vite et c'est Barthez qui s'est transformé en libéro devant Concession. Il a été loin Fabien Barthez pour aller couper cette trajectoire. Bento, le bon centre, Nuno Gomez au deuxième poteau. Là, il y a eu un grand silence juste derrière le but de Fabien Barthez où sont tous les supporters français. Il faut le garder ce ballon, il faut le garder, oui, il va y avoir faute. Il fallait le garder parce que Wiltor était en position de hors-jeu et Pires a effectué son entrée en jeu à la place d'Emmanuel Petit. Qui aura donc fait un très bon match, Manu Petit. Solution donc plus offensive pour les Français, bien évidemment. Lizarazu. Roger Lemaire qui sent qu'il y a peut-être un coup à jouer sur ce côté gauche là-bas. Laurent Blanc avec Thierry Henry qui va pouvoir écarter sur Lilian Thuram. Qui évite le tacle de Joao Pinto. Talonne pour Vieira, c'est bien fait. Allez, c'est bien parti. Oui, et Thuram encore dans la surface. Oh, ils sont pas là, c'est dommage. Ils avaient fait vraiment le trou, la brèche, et il n'y a plus personne derrière. Que c'est bien joué. Oh, et puis le bon esprit de Thuram qui n'est pas tombé sur le tacle de Couteau. Parce qu'on va le voir, Couteau était en sursis sur ce tacle-là. Wiltor. Et corner à venir. Ça chauffe, ça chauffe. On voit la combinaison, il n'y a pas du tout de hors-jeu, il arrive à passer. Et là, il essaie de la remettre derrière. Il s'est arrêté aussi Couteau pour ne pas commettre la faute. Il a vu Gary Neville qui a condamné son équipe de cette façon-là.
à quelques minutes de la fin du match. Alors petit n'étant plus là, c'est Zidane qui frappe ce corner sur la tête de Vieira, mais c'est encore au-dessus du cadre. Ils ont du mal à sauter quand même, les Français sont présents, les Portugais à la réception du ballon. Paulo Bento joue avec Sergio Cancelo, Figo. Une minute 30 au temps réglementaire. Un ballon jusqu'à João Pinto. S'il parvient à le contrôler, non. Voilà, on voit Couto planter son pied dans le sol pour ne surtout pas commettre la faute. Vieira prolonge ce ballon vers Wiltor. C'est récupéré par Jorge Costa qui dégage un petit peu n'importe où. Sur la tête de Lizarazu. Figo maintenant face à Deschamps. Figo qui trouve derrière lui Da Costa. Cancelo, Da Costa, Abel Javier, João Pinto, Cancelo, la charge de Lizarazu. Ça offre un coup franc au Portugais. Moment de crispation devant les buts de Barthez. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas encore vu du tout quasiment Figo. Et forcément, à un moment donné, on va le voir. Forcément, à un moment donné, il va apporter ce qu'il apporte à chaque fois à son équipe. Espérons que d'ici là, les Français auront marqué. Pour l'instant, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Terminant, en tout cas, de Fabien Barthez sur ce coup de tête d'Abel Javier. Eh bien, Fabien Barthez, s'il était celui-ci, c'est quasiment la balle de finale. Et c'est pas terminé, corner, corner à venir. Que c'est tendu, c'est renvoyé, renvoyé par Robert Pires. Ouais, il a dû en faire un arrêt dans cette deuxième mi-temps et il l'a fait. Ça aurait été cruel quand même. Hein. Ah oui, mais ça c'est vraiment le jeu, hein. Ni pour rien. Lizarazu. La faute. Trop de Sergio Cancelo sur Lizarazu. On est entré dans les arrêts de jeu de ce match depuis 50 secondes. Zidane. Zidane écarte vers Lilian Thuram. Zidane encore face à Figo. Change de jeu, Lizarazu. C'est terminé dans une quarantaine de secondes. Lizarazu. Thierry Henry. Oh, il est passé. Tu viens de passer Fernando Couto. Il est tout seul. Ça a été contré. Et ça ne filera pas en corner. Rui Costa qui récupère ce ballon. Jorge Costa. Avec Vitor Baia, Dimas. Ils prennent des risques. Là, les Portugais, le pressing français. S'en sort. Dimas s'est récupéré. Ce sera une touche pour les Portugais quand même. Les yeux grands ouverts pour Roger Lemaire, pour ne rien rater des petits détails qui font les grands matchs. Alors, normalement c'est terminé, il vient de consulter son chronomètre, monsieur Benko. Et normalement, sur cette touche-là, il devrait siffler la fin et l'arrêt des événements au premier qui marque. Et combien de tensions dans cette rencontre terriblement indécise entre la France et le Portugal. Et quel arrêt encore de Fabien Barthez sur cette balle travaillée de Figo. Et Abel Javier qui va monter par-dessus tout le monde, rabattre cette balle. Il n'est pas encore revenu. Comment le gardien français a-t-il pu lui ôter ce but qu'il avait déjà quasiment vu? Et bien allez, on va laisser tout le monde récupérer quelques instants. Et puis, oui, derrière, hein, Emmanuel Petit qui dans la première réaction était déçu. Hein. Allô ? Oui, Arsène. Pardon. Oui. Oui, excusez-moi, je ne vous entendais pas bien. Mais je pense que la deuxième mi-temps a été à sens unique, que les Français ont vraiment, comme vous le soulignez, bien, très bien réagi.
Et je crois qu'il faut insister sur le côté droit. Tous les appels axes côté droit ont créé énormément de problèmes aux Portugais. Il faut sortir Jorge Costa de l'axe et faire les appels dans le dos de Dimas. Et de ce côté, on a eu énormément de dangers, créé énormément de centres et de situations dangereuses. D'ailleurs, le but est venu de là. Oui, tout à fait. C'est vrai que le but est venu sur un appel de balle. Et pour l'instant, les Français sont en train de se resserrer entre eux, de discuter beaucoup. On voit Didier Deschamps avec Laurent Blanc. Et on va repartir. Alors, avec cette fameuse règle du but en or. Qui est crispante. Ouais, qui est crispante et qui n'a pas souri aux Français à l'occasion d'un récent France-Portugal. C'était aux Jeux Olympiques à Atlanta et dans le quart de finale. Eh bien, les Portugais se sont qualifiés grâce au but en or. Et Robert Pires disputait ce match-là, c'était à Miami. Donc, ce n'est pas un très bon souvenir. Non, en revanche, les Français gardent un excellent souvenir de ce but en or en Coupe du Monde. Puisqu'il avait contre permis, le Paraguay. Voilà, qu'il a permis à Laurent Blanc de marquer un but qui avait vraiment délivré les Français et qui les avait emmenés jusqu'à ce que vous savez. Alors que Fabien Barthez, eh bien lui, s'est battu pendant toute cette rencontre, et y compris sur cette balle de dernière minute, pour faire que son équipe soit encore en vie dans ce match. Et on va repartir avec Abel Javier, qui a déjà dû oublier cette occasion pour se reconcentrer sur la suite de la rencontre. Alors que Rui Jorge est rentré à la place de Dimas, poste pour poste. Rui Jorge qui avait joué d'ailleurs contre l'Allemagne, avec le succès 3-0 pour les Portugais. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir comment on peut aborder cette phase de jeu avec cette épée au-dessus de la tête des 22 joueurs. Le premier qui marque, on vous rappelle la règle, est qualifié pour la finale, tout simplement. Et malgré ça, la décontraction des deux champions de France monégasques, José da Costa et Fabien Barthez, qui en se croisant, se sont échangés quelques mots et des sourires. Alors que dans peut-être 30 secondes, il y aura un éliminé, il y aura un qualifié. Parce que c'est le règlement qui est ainsi, c'est la mort subite. Le premier qui marque est qualifié. Et c'est 2x15. Et c'est 2x15. Et s'il n'y a pas de but marqué, il y aura des tirs au but. Et c'est parti. Et ce sont les Français qui ont donné le coup d'envoi de cette première partie de prolongation. Zidane. Stoppé par Da Costa, mais qui a commis un coup franc. Da Costa s'est joué vite avec Deschamps. Pires avec Wiltor. Redonne à Pires qui va pouvoir déborder, centrer peut-être. Robert Pires. Oh, et Zidane qui est arrivé et qui a mis la tête. Ah, c'est une première alerte. Et alors, Rui Jorge signe son entrée en sauvant un peu son équipe. Il a senti Zidane derrière lui. Il va venir faire protection. Regardez-le, il recule. Et c'est lui qui va faire en sorte que Zidane ne puisse pas frapper cette balle de la tête comme il le souhaitait. Sergio Conceição, Figo. Intervention de Lizarazu. Figo a pris un coup au passage. Lizarazu qui poursuit le jeu avec Thierry Henry. Thierry Henry qui va accélérer. Zinedine Zidane. Et qui met ce ballon hors des limites du terrain volontairement, Zinedine Zidane. Parce que Figo a pris un coup. Ouais, Figo a pris un coup sur une intervention de Marcel de Sailly tout à l'heure. Thierry Henry n'avait pas vraiment vu, il était les yeux sur le ballon et il a continué l'action, c'est pour ça que les Portugais sont venus sur lui. Alors que Monsieur Benko va aller prendre, voilà d'ailleurs les Portugais qui viennent rouspéter après Thierry Henry qui n'avait pas compris ça. Voilà, Conceição qui lui dit qu'il pouvait voir que le meneur de jeu portugais était au sol et qui est toujours d'ailleurs. Oui, il se fait ça tout seul. Hein. C'est lui en taclant qui se fait mal. Hein. Oui, on ne peut pas dire que Marcel de Sailly ait esquissé le moindre geste pour blesser le Portugais. Non, il se fait ça tout seul, Luis Figo. Et comme les chaussures d'aujourd'hui sont de plus en plus légères et protègent de moins en moins le pied,
D'abord parce que les joueurs enlèvent souvent de la mousse de ses chaussures pour sentir encore plus le ballon. C'est le cas de Nicolas Anelka qui dépouille ses chaussures de toute la mousse à l'intérieur. Certains coupent même leurs chaussettes pour que le pied sente vraiment le contact du cuir et du ballon. C'est Alain Constant, notre confrère du Monde, qui nous a expliqué ça la semaine dernière dans un de ses reportages. Nuno Gomez avec Da Costa sur Nuno Gomez encore, mais ce ballon a été contré, ce serait une touche en faveur des Portugais. Alors là, autant vous dire que dans le stade, dès que la ligne médiane est franchie d'un côté ou de l'autre, il y a la moitié du stade qui se lève et l'autre qui s'assied. Une qui retient son souffle et l'autre qui hurle son entrain. C'est-à-dire que lorsque le ballon est dans le camp portugais, c'est quand même plus rassurant pour les Français. C'est quand même pas plus mal. Plutôt que de prendre un coup franc comme ça à 40 mètres. Figo qui joue ce coup franc derrière avec Fernando Couto. Jorge Costa sur Joao Pinto. Intervention de Zinedine Zidane qui fait reculer les Portugais. Abel Javier avec Vitor Baia. On a bien parlé de Sailly à son capitaine. Pires qui est tout frais et qui va peut-être pouvoir accélérer devant Abel Javier. Et c'est une touche en faveur des tricolores. Jouée longue vers Zinedine Zidane. Après, il faut de la présence dans la surface, il n'y en avait pas beaucoup. Une bonne touche à jouer pour les Français. Viltorp qui reste à l'entrée de la surface de réparation. Pires avec pied en l'air. Alors signaler que les Français ont eu un jour de moins de récupération que les Portugais. Et que ça peut compter. Fernando Couto, loin, très loin, cherche directement ses attaquants et tombe sur la tête de Marcel Desailly. Qui concède la touche aux défenseurs français. Abel Javier avec Luis Figo. Abel Javier. Sergio Conceição. Il faut le signaler sur Sergio Conceição. Ah, il est tombé sur le même gabarit que lui, la même spontanéité, la même rapidité. Et la même ténacité avec Vicente Lizarazu. Figo. C'est Pires qui défend devant Luis Figo. Puis Deschamps maintenant qui est venu subtiliser le ballon au stratège portugais. Le contre avec Thierry Henry. Sylvain Wiltor à 2 contre 2 à jouer. Zidane qui arrive en soutien également. Thierry Henry qui embarque Paulo Bento. Et ce sera un corner. Ah, et le ballon qui lui est un petit peu resté dans les pieds. C'est de... Ah, il y avait un super contre à jouer là. C'est la sortie de Vitor Baia, un peu tardive. Regardez, il monte, les yeux rivés sur le ballon. Et en revanche, Vitor Baia n'a pas pris le ballon, mais a bien pris blanc. Qui reste au sol. Et il en prend une belle en plein dans le nez. Oui, et puis lorsqu'on est en l'air, en regardant le ballon et qu'on ne voit pas venir le gardien, eh bien on est très vulnérable. On protège les gardiens qui le sont. C'est vrai, lorsqu'ils sont bousculés en l'air, mais lorsque c'est un joueur qui est chargé comme ça, lorsque c'est l'inverse, eh bien c'est beaucoup plus problématique. D'autant que je ne suis pas sûr qu'il ne retombe pas en plus derrière sur Figo. Du coup, le meuf s'affairait. Blanc est en train de récupérer un petit peu. Ah ouais, ça va pas. Hein. Non. Oh là, c'est un choix draconien. Il se plaint des dents, visiblement. Bon, ça a l'air d'aller mieux. On est à 10 là pour l'instant. Attention, c'est le but en or. Oh, attention, c'est passé. Conceição, et ce ballon est toujours en jeu. Conceição qui déborde, qui centre.
et c'est Vieira qui est revenu défendre devant les buts de Fabien Barthez. Oh que ça va vite dans ce genre de situation. Et cette fois c'est Sergio Conceição qui reste à terre. Oui, dans ce cas précis, tout à l'heure les Portugais sont venus réprimander Thierry Henry parce qu'il avait continué le jeu. Mais là, avec Laurent Blanc dehors, eh bien, on a accéléré tout de suite. Alors là, je ne sais absolument pas pourquoi Sergio Conceição reste à terre. Alors que Fernando Couto va prendre les dernières recommandations de son entraîneur. Ouais, félicitations de Barthez à Patrick Vieira. Regarde, il va faire grand pont même à l'arbitre assistant. Conceição, il y a parfois des joueurs qui font ce pari-là dans les matchs, mais lui, il n'avait pas parlé, Conceição, il était obligé de le faire pour aller conquérir ce ballon. Il me semble que c'est après son centre qu'il a pris un coup, qu'il s'est fait mal tout seul, je ne sais pas, aucune idée. C'est peut-être en bout de course, tordu la cheville, on ne sait absolument pas. Il faut voir s'il se plaint des adducteurs ou de la cheville. Ou il a peut-être tout simplement des crampes. Vous avez entendu, les Français dégagent. Pour Padrice, c'est vrai que là, même si les Français sont apôtres du beau jeu, de la construction, il y a des moments, lorsque c'est le but en or, il ne faut pas prendre trop de risques près de sa surface de réparation, et ça va tout de suite mieux pour Conceição qui va rentrer. Ouais, c'est peut-être peut-être des crampes. Zidane. Ah, pas mal. Aïe, il a poussé un peu loin ce ballon. Allez, ce sera sans danger sur ce long ballon de Jorge Costa, récupéré par Fabien Barthez qui va dégager très loin. Wiltor, la déviation vers Thierry Henry qui est à ses côtés de Pires. Le voilà, Robert Pires, qui va déborder une nouvelle fois. Allez, encore un centre de Robert Pires, ce sera encore un corner. Est-ce que Laurent Blanc va y retourner? Eh bien oui, Laurent Blanc y retourne. En petite foulée. Un excellent apport depuis qu'il est entré en jeu de Robert Pires sur le côté gauche, Pierre. Oui, c'est sûr que ça fixe la défense, vraiment latéralement, avec un joueur qui joue résolument sur l'axe latéral. Pires au premier poteau, c'est sur la tête de Sergio Conceição. Oh, là il y a faute. Faute de Joao Pinto sur Lizarazu. Et Laurent Blanc qui saigne du nez. Pour l'instant, M. Benko ne l'a pas vu, sinon il va lui demander d'aller soigner hors du terrain. Zidane face à Abel Javier. Coup franc aux abords de la surface de réparation. L'équipe de France qui de nouveau s'installe. Alors il y a la solution pour le tirer direct avec Zidane lui-même, ou la mettre là-bas avec les grands. Il a embrassé ce ballon, Zidane, au moment de le placer. Ça veut peut-être dire qu'il va essayer de la frapper. Bon, il va falloir que Figo recule un petit peu. Alors là, sur cet écran, vous ne le voyez pas, mais ils sont tous derrière là. Ils sont une dizaine au deuxième poteau. Oh, il peut la frapper directement, Zinedine Zidane. C'est fait. Ça a été dévié par Joao Pinto au premier poteau. Qui s'est jeté, sacrifié. Et c'était cadré. Regardez la frappe, à la fois travaillée mais puissante. Et Joao Pinto, le plus petit de l'équipe, qui la met au-dessus en corner. Ça va revenir de l'autre côté. Allez, le corner. Pires qui a traversé tout le terrain pour jouer ce corner. Wiltor qui remet ce ballon dans le paquet. Il y a du monde hors jeu. Ils sont montés très vite, les Portugais. Et ils remontent également à l'attaque. Oui. Vitor Baia sur la tête de Luis Figo devant Didier Deschamps. Thuram. Il est un peu seul là-bas, Lilian Thuram. Oh, il va s'en sortir. Allez, il faut poursuivre le pressing, c'est bien fait, Didier Deschamps qui s'extirpe du marquage. Zidane écarte jusqu'à Wiltor. L'arrivée de Lizarazu.
Et gare au contre maintenant, gare au contre. Figo, oh, et Deschamps. Il est là, Didier. Il s'en souviendra de cette centième cape et il s'en souviendra encore plus si la France se qualifie. Abel Javière avec Luis Figo. Écarte là-bas sur Rui Jorge. Nuno Gomez. Luis Figo qui a voulu mettre sur le côté, c'est pas terminé. L'arrivée de Rui Jorge qui va peut-être pouvoir centrer Laurent Blanc devant Joao Pinto et Robert Pires qui va remonter ce ballon. Zidane tout seul à gauche, Pires qui conserve ce ballon. Regardez la touche. Wiltor. Pas de faute, c'est ce qu'estime Monsieur Benko. Pires qui intervient. Et Paolo Bento aussi. Et Pires qui a été battu là dans ce duel. Figo écarte jusqu'à Sergio Conceição. Oh, quel rythme dans cette première partie de prolongation. Conceição, ça va vite. Oui, ce sera une touche. Et il était face au jeu et il s'est retourné. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans la situation la plus difficile pour un attaquant. Et ça lui a été fatal. Vira devant Joao Pinto. Et la touche est portugaise. Fernando Couto avec Abel Javière. Le ballon vers Nuno Gomez, devancé par Laurent Blanc. Allez, allez, il faut le prendre ce ballon, il faut le prendre. Didier Deschamps qui peut orienter vers Vieira. Avec Wiltor. Wiltor qui va aller provoquer les défenseurs adverses. Le 1-2 avec Zinedine Zidane. Alors ça se joue au détail près, au millimètre près. Zarazu devant Figo, Nuno Gomez qui va lancer Sergio Conceição. Et là ils sont quasiment à égalité numérique les Portugais. Mais sur son centre là, c'est Barthez qui vient défendre. Que va siffler l'arbitre. Une faute sur Barthez apparemment. Ce qui serait logique. Ouais, Conceição qui a choisi le deuxième poteau. Et c'était de toute évidence l'option la moins dangereuse pour les Français, alors que Thierry Henry va sortir, laissant sa place à David Trezeguet, les deux anciens partenaires. Et une minute de temps additionnel dans cette première partie de prolongation, c'est-à-dire que c'est bientôt terminé. Et ça se bat au milieu de terrain. On ne veut pas concéder le moindre centimètre. Regardez Didier Deschamps face à Figo. On peut souligner quand même l'effort des Portugais de ne pas reculer. Ils remontent à chaque fois parce qu'ils savent que s'ils jouent près de leur but, ils n'auront peut-être plus de chances de remporter cette rencontre. Alors il se positionne résolument le plus haut possible. Oui, il a bien jailli Zarazu. Pires, le démarrage de Wiltor là-bas, il l'a vu, Pires. Il évite la sortie, Sylvain Wiltor. Il y a du soutien encore avec Pires, il va provoquer, ce sera un corner, peut-être le dernier de cette première partie de prolongation. Et revoilà Laurent Blanc. Pires toujours pour tirer ce corner. C'est fuyant, c'est sortant sur la tête de Desailly, c'est pas terminé. Vieira remet le ballon dans le paquet, récupéré par Wiltor. Signalé en position de hors-jeu, Wiltor. Oui, au départ, peut-être pas sur le deuxième relais, mais sur la première tête de Vieira. À ce moment-là, voilà, là il y a hors-jeu évident. Et même après, je pense aussi. Fin de la première partie de prolongation, fin des 15 premières minutes
dans cette prolongation entre la France et le Portugal. Toujours le même suspense, toujours un but partout. Et oui, toujours la même tension également. En revanche, un peu plus de fatigue de part et d'autre. Il va falloir maintenant à la fois calculer et puis en même temps saisir sa chance surtout. C'est toujours un dilemme invraisemblable avec ce but en or qui pousse une équipe à aller de l'avant et qui en même temps doit la pousser à préserver son but. Bref, ça devient de plus en plus invivable. C'est terrible, c'est terrible. Arsène qui doit lui aussi dans notre studio, juste au-dessus de nous, bouillir également, croiser les doigts. Je sais pas, Arsène, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais je pense quand même sur les accélérations et la récupération du ballon, on sent la France capable de marquer plus que les Portugais pour l'instant. Mais parfois, sans explication vraiment logique, ça s'inverse en deuxième mi-temps, on ne sait pas. En prolongation, c'est vraiment un peu le coup de poker. Dites-nous encore qu'ils peuvent marquer. Vous nous l'avez dit tout à l'heure avant la deuxième mi-temps. Je ne vous dis pas ils peuvent marquer, je vous dis ils vont marquer. Bon, c'est bien Arsène. Vous reviendrez en deuxième semaine. Figo. Avec Paulo Bento. Et le problème, je crois que c'est que les Portugais aussi peuvent marquer. Il y a tellement de talent dans cette équipe-là. C'est pour ça que ça nous donne ce match-là. Blanc. Avec Trezeguet. Ok, vous l'écartez vite sur Sylvain Wiltor. Intervention. Jorge Costa, Paulo Bento. José da Costa. Nuno Gomes qui va lancer Sergio Conceição à la lutte avec Vicente Lizarazu. C'est le petit basque qui a eu le dessus. Ah, il a failli la dévier, David Trezeguet, pour Zidane. Fernando Couto. Lizarazu avec Pires, Deschamps. Ouais, ça joue quand même bien du côté français. Il y a eu deux pertes de ballon déjà du côté portugais. Alors que les Français s'appliquent à relayer celui-ci. Oh là là. Oh, oui, il va prendre le carton. Et il va pas jouer la finale si les Portugais vont en finale parce qu'il était déjà averti en quart de finale. Donc João Pinto ne fera pas partie de la fête portugaise si elle a lieu. Blanc très loin vers Wiltor qui peut dévier sur Robert Pires. Dans la surface maintenant Pires qui a frappé fort mais ça a été contré. Vieira avec Zidane. Allez Zidane la frappe. Pied gauche. De loin. Frappe un peu écrasée. Mais on ne peut pas vraiment lui reprocher après tant de jeux, Christophe. Oui, Pierre. Non, parce que c'est pour dire où on en est au niveau du temps. À mon chronomètre à moi, 2 minutes de jouer déjà dans la deuxième partie de prolongation. C'est-à-dire qu'il reste un petit peu moins de 13 minutes. Rui Jorge. João Pinto. Avec Luis Figo, le tacle de Laurent Blanc, c'est pas terminé. Hors jeu, ben oui, parce qu'ils étaient montés justement sur le porteur de balle, sur Nuno Gomes qui va donner ce ballon. Et au moment où il le donne, mais Figo est hors jeu, c'est indéniable. Il y a hors jeu. Quand même, ça fait monter l'adrénaline. Ah oui, parce que c'est pas la coupe départementale à la chapelle de Fougeray. Hein, c'est quand même demi-finale de championnat d'Europe. Vieira qui va lancer Sylvain Wiltor à la lutte avec Jorge Costa et Rui Jorge. La touche est française. Affecté par Thuram en retrait avec Patrick Vieira. Thuram encore. Il va centrer ce ballon pris par José da Costa. Rui Jorge qui tente de dégager, intervention de Deschamps. Et là, ce sera sans souci pour Vicente Lizarazu. Ils sont un peu plus imprécis, les Portugais, tout de même. Deschamps avec Zidane, Lizarazu, Pires. Pires avec Zidane, c'est bien fait. De nouveau, Robert Pires qui peut frapper, c'est contré, c'est pas mort, du temps. Hors-jeu. Signalé hors-jeu, juste après la frappe de Pires.
assez nette. Vous voyez, il n'est même pas seul. Vieira s'est récupéré par Paolo Bento. Rui Jorge qui va pouvoir contre-attaquer peut-être. Le retour de l'excellent Patrick Vieira. Laurent Blanc avec Didier Deschamps. Oh, quel match! Laurent Blanc. Pires, Zidane. Pires encore. Lizarazu. Robert Pires, Zidane. Le 1-2 avec Robert Pires. Ah, c'est dommage, il avait bien orienté son contrôle. Et Matez. Ah oui, João Pinto, il est entré en jeu. En cours de jeu, il est encore tout frais. Il est capable de mener ses longs raids et de frapper comme cela. Et ça passe à 30 cm. C'est purement invivable, cette prolongation. Paolo Bento. Avec Sergio Conceição pris par Lizarazu. Ça va repartir côté français. Pires, allez, accélère Robert. Il va déborder là-bas, José da Costa, et là c'est long dans le deuxième dribble. Pousse un petit peu trop son ballon sur le deuxième contact. Robert Pires, qui a des origines portugaises par son père. Tout comme Vieira, qui est d'origine du Cap-Vert, colonie portugaise. Moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre, après tir au but. Rui Jorge avec João Pinto pris par Lilian Thuram. La touche est portugaise. Rui Jorge sur Luis Figo. Jorge Costa, Abel Javier. Et les deux clans de supporters qui se rendent des encouragements, ça donne une somptueuse ambiance ici. Ouh, c'est passé. Lizarazu en couverture et Barthez qui dégage très loin dans la tribune du stade. Ils étaient deux de toute façon en couverture. C'est vrai qu'il y avait le retour de Vicente Lizarazu, mais il y avait également Laurent Blanc qui était là. Da Costa avec Sergio Conceição, il ne faut pas le laisser partir celui-là. Et Lizarazu toujours à l'ouvrage. Da Costa qui effectue la rentrée de jeu avec Paolo Bento. Allez, il faut aller le chercher. Oui, c'est ce qu'a fait Robert Pires. Quelle entrée en jeu de Robert Pires. Javier qui tarde un petit peu, qui a trouvé Paolo Bento. Si on peut éviter le corner, c'est aussi bien. Et c'est Pires. C'est Pires qui est encore allé chercher ce ballon et qui l'a remonté avec Zinedine Zidane. Oh, quel mouvement de Zidane! Ils sont à 5 contre 2 les Français. C'est un ballon de but. Zidane à droite. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il n'y avait plus qu'à la donner, mais il y avait aussi les Portugais. Et il faut revenir maintenant. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse maintenant de l'autre côté. Figo avec Sergio Conceição. Sergio Conceição, la frappe au-dessus. Ah, c'est dommage, c'est vrai que Zidane avait conservé le ballon dans un premier temps pour décaler, faire ce décalage sur le côté. Oh, il est bien parti, Wiltor, bon appel. Il y a beaucoup de monde, mais il peut être... C'est sur De France, sur les ordres du Belge, l'arbitre assistant, Roland Van Milen. Il faut revoir tout ça. C'est évidemment une aubaine pour les champions du monde français et c'est une catastrophe pour le Portugal. Voilà, il va falloir revoir cette action. C'est vrai que les arbitres n'ont pas ce ralenti que nous envoie Georges Geoffrey. C'est à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a une main, ça c'est certain. Il y a une main. Ah, c'est... Oui, une... Elle n'est pas nette. Hein. Il faut voir si c'est pas vraiment le genou qui prend aussi. Non, c'est la main, c'est la main. Il y a un geste de la main vers le ballon, c'est un mouvement intentionnel. C'est un mouvement intentionnel de la part d'Abel Javier qui condamne peut-être son équipe. Oh, c'est terrible, quel dénouement un peu cruel et dramatique. Et là,
Intervention justifiée de l'arbitre assistant, on va le revoir ici. Ouais, c'est la main, même si Wilter passe devant un peu le ballon, on ne voit pas grand-chose, mais on l'a vu tout à l'heure avec notre ralenti, avec notre caméra, c'est plus net, la main n'est pas du tout contre le genou, elle est assez largement désolidarisée du genou, et donc c'était une main volontaire, peut-être réflexe, mais volontaire. C'est dur pour les Portugais, c'est vrai que c'est dur pour les Portugais, le règlement est appliqué stricto sensu, et c'est un pénalty pour la France. Alors là, il ne faut pas nous faire une Raoul. Elle a enlevé son maillot, Luis Figo. Ah, c'est forcément cruel. C'est forcément cruel. Alors, qui va le tirer? Robert Pires, peut-être? Oh, et... Zizou. Allez, Pires qui va chercher ce ballon. Parce que Pires sent bien qu'il y a une énorme tension en ce moment pour tirer ce pénalty. C'est Vitor Baia qui a peut-être la clé du succès dans ses gants à lui. Évidemment, les Portugais qui sont dans un état de tristesse, de frustration, de colère quasi indescriptible parce qu'ils ont produit une résistance et un match formidable. Oui, mais en l'occurrence, l'arbitre assistant était parfaitement placé sur cette action parce qu'il suivait l'action. Il était exactement dans l'axe du centre et il a dit à l'arbitre ce qu'il avait vu. Et ce qu'il avait vu, c'était effectivement un réflexe de la main. C'est une place en finale que Zinedine Zidane est en train de jouer face à Vitor Baia, et ce, à 4 minutes du terme du temps réglementaire de cette prolongation et donc du match. Duel à haute tension entre Vitor Baia et Zinedine. Paradis dans ce match face aux Portugais. Eh bien, c'est son 16e but en équipe de France à Zinedine Zidane, mais c'est certainement le plus important, peut-être avec ceux de Brésil-France en finale de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, celui-ci permet à la France de se qualifier. Bon, on salue le succès français qui globalement a dominé cette équipe portugaise, surtout dans la deuxième partie de la rencontre. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça se termine de cette façon-là. Mais le règlement est le règlement. Il y avait une main. Il y a eu une expulsion de Nuno Gomes après le coup de sifflet final. Il y a protection de l'arbitre, M. Van Nielen, par Hugh Dallas, le quatrième arbitre. Et il y a une colère qui se déchaîne du côté des Portugais. Mais Nuno Gomes sera suspendu pour les prochains matchs internationaux du Portugal. C'est peut-être anecdotique dans cette rencontre à fort rebondissement. C'est comme ça. Et c'est l'équipe de France à qui tout sourit en ce moment, qui se qualifie sur ce coup du sort. Penalty qui qualifie la France pour la finale. Bon, on ne pourra pas s'empêcher d'être un peu déçu pour les Portugais que ça se termine de cette façon-là. Mais évidemment, on est ravis pour l'équipe de France. Elle est en finale, elle confirme après sa victoire en Coupe du Monde. Elle confirme sa suprématie, ou du moins sa place au premier rang du football mondial et européen en parvenant à cette finale. Et on est évidemment heureux pour Didier Deschamps, dont c'était la 100e sélection aujourd'hui. Zinedine Zidane qui, une fois de plus, sera décisivement la main parce que, évidemment, le ballon, on le voit mieux avec cet angle-là, pouvait rentrer à l'intérieur du but, ce qui justifiera complètement l'intervention de l'arbitre, même si c'est difficile à avaler pour les Portugais. Ah, c'est cruel, c'est d'un cruel indescriptible, bien évidemment, à 3 minutes du terme de cette rencontre dans la prolongation. Une rencontre haute en intensité, c'était le 20e France-Portugal. Pour la 14e fois, les Français l'emportent. Et de toute façon, on sait très bien que le but en or est toujours injuste pour celui qui l'encaisse. On se souvient de la République tchèque qui avait fait jeu égal avec l'équipe d'Allemagne lors de la dernière finale de l'Euro. Et c'est Birov qui avait marqué ce but qui a fait gagner l'équipe d'Allemagne. Et bien là, c'est le Portugal qui subit ce sort-là, comme le Paraguay contre la France en Coupe du Monde. Arsène Wenger, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Et lui le sait. Arsène ? Et je dirais que tous les grands matchs se jouent à pas grand chose, et que ce soir le Portugal est sorti la tête haute jusqu'au pénalty, parce que après, leur comportement a quand même été inadmissible. Et je pense que même à ce niveau-là, le football ne doit pas donner l'image que les joueurs portugais ont donnée après le match. Ouais, c'est vrai qu'il y avait toute la déception, toute la rancœur des Portugais qui se sont vus condamné. Thierry Adam est avec Zizou. Thierry Adam, oui. Va être... Oui, Thierry. Oui.
Oui, avec Zinedine Zidane, parce qu'on l'a un petit peu intercepté avant de retourner au vestiaire. Zinedine, d'abord un mot sur ce pénalty. C'était vraiment dans des conditions très difficiles et vraiment dans un contexte particulier. Vous avez réussi à faire le vide? Oui, disons que je ne sais pas s'il y a pénalty, mais en tous les cas, c'est ce que Trezeguet et Wiltord disent, qu'il y a mais. Donc après, c'est vrai qu'à la dernière minute, comme ça, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer. En plus, bon, il y a eu à peu près 5 minutes de discussion. Donc bon, mais bon, ça allait bien pour quand même. Ça s'est bien passé, donc tant mieux pour nous. Ouais, il faut quand même faire le vide, hein, c'est difficile parce qu'il y avait un contexte vraiment très 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 particulier. Vous avez vraiment pensé à des choses? Non, mais c'est vrai que c'est difficile, mais bon, après, une fois que je pose le ballon, j'essaye de me dire qu'il faut que je cadre mon ballon, que je frappe fort, et puis voilà. Bon. Ça s'est bien passé, donc tant mieux pour nous. Je crois que sur l'ensemble du match, les deux équipes peuvent très bien à tout moment faire... le chaos, et puis bon, c'est nous qui l'avons fait ce soir, donc on est content. Vous avez douté quand même dans cette partie, c'était vraiment... Vous avez passé 90% du temps chez les Portugais, mais est-ce que vous avez eu un petit doute quand même? Non, mais c'est vrai que ça a été très dur, je crois que ça a été très 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 dur, on a souffert. Et je vous dis, je crois que le Portugal pouvait aussi gagner sur un coup ce soir. Donc tant mieux que ce soit nous. C'est vrai que comme ça, gagner à la dernière minute, ça fait vraiment... En plus, on était mené, donc c'est vraiment extraordinaire pour nous. Vous êtes presque dans la légende, hein, il ne reste plus qu'à gagner la finale. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà atteint l'objectif, parce que c'était d'être en finale? Non, pas du tout. L'objectif, ça a été toujours de la gagner, d'aller le plus loin possible. Donc bon, ça sera encore plus difficile dimanche. On va essayer de se reproduire, de bien récupérer, parce que jouer comme ça presque 2 heures... C'est dur. Italie ou Pays-Bas, le choix? Je ne sais pas du tout, on verra bien. Nous, ce qui est important, c'est qu'on prépare bien notre match. Merci. Et on l'aime la gourmandise de Zidane et ses copains.